Oui, bonsoir à toutes et à tous. Désolé de ce léger retard, mais je viens de l'autre bout de Paris. C'est pas facile de circuler toujours. Bon, d'ailleurs, c'est un sujet qui sera au cœur de nos discussions sûrement. Merci à Jacques Baudrier aussi d'être présent. Je crois qu'il est là. On le voit. Oui, ok, si. Merci à Anouch Torragnan également de sa présence, ses deux adjoints à la maire de Paris, plus particulièrement concernée par ces sujets, et d'autres élus. Alors, je ne peux pas tous les citer, mais je pense qu'ils interviendront peut-être dans le cadre de cette réunion. Je sais pas si Agnès Evren, peut-être, non? Et voilà, donc, bon, bref. Oui, donc, juste quelques mots d'introduction, si Jacques le permet, pour évoquer cette nouvelle démarche municipale au début de cette mandature, embellir votre quartier. Donc Paris compte effectivement, je me réfère aux chiffres municipaux, 30 000 chantiers par jour, par an, pardon, enfin par an plutôt, parce que par jour c'est beaucoup. Ce qui nécessite évidemment une organisation optimale après leur mise en œuvre et leur suivi également. Une nouvelle méthodologie des travaux a été pensée. Et c'était particulièrement pertinent afin de concentrer ces travaux sur une même zone géographique et dans un temps restreint. Alors, c'est à partir de ce constat que la démarche qui nous réunit aujourd'hui, embellir votre quartier, propose de concentrer sur une période d'un an, afin d'en réduire les désagréments, les travaux d'amélioration de l'espace public, c'est-à-dire des circulations douces et des mobilités actives, les zones piétonnes, pistes cyclables, les encombrements des trottoirs, etc. Aménagement de carrefours accidentogènes, végétalisation des rues et des places, rues végétales, trames vertes, arcs verts structurants, etc. Alors, après un certain nombre d'échanges entre mairie d'arrondissement et mairie centrale, le 15e a finalement été divisé en 7 périmètres, dont le premier qui a été choisi comprend les périmètres des conseils de quartier Meuriot-Zola, Viollet-Commerce et Saint-Lambert. Les 6 autres périmètres dans l'ordre établi de la démarche en question seront Georges Brassens, Cambronne-Garibaldi, Pasteur-Montparnasse-André-Procession, Citroën-Boussicault, Vaugirard, Parc Disposition et Duplex Motte-Piquet. Dès la fin de la concertation du premier périmètre, c'est-à-dire vers fin avril, nous commencerons celle du périmètre suivant et ainsi de suite avec les études et les travaux qui seront lancés dans les 6 mois, normalement, à l'issue des concertations. Le report en fin de liste des deux quartiers proches d'opérations d'aménagement en cours à moyen terme, comme des travaux, par exemple, aussi impactants que la Tour Triangle pour Vaugirard Parc des Expositions, ou le projet Tour Eiffel, Seine Tour Eiffel pour Duplex, justifie ce choix. Il est effectivement plus opportun d'attendre la réalisation de ces projets
pour transformer les quartiers dans un second temps. Chaque périmètre est doté d'un budget de 5,5 millions. Un premier diagnostic a été réalisé par les services pour les conseils de quartier Émorieux-Zola, Viollet-Commerce et Saint-Lambert, qui nous préoccupent aujourd'hui. Il sera utilisé tout au long de la concertation, puis des études seront réalisées et les travaux pourraient commencer en janvier de l'année prochaine. Alors, le diagnostic des quartiers a été présenté en janvier. Il se concentre sur plusieurs thèmes. Apaiser la circulation automobile par des aménagements favorisant la circulation des piétons ou par des réflexions sur les plans de circulation permettant de réduire le trafic dans certaines rues. Deuxièmement, favoriser les modes de déplacement actifs tels que le vélo par des aménagements cyclables, évidemment. Troisièmement, améliorer l'accessibilité de l'espace public et des bâtiments recevant du public. Ensuite, le désencombrement de l'espace, suppression de mobilier ou des panneaux de signalisation superflus, par exemple. Et enfin, végétalisation, à laquelle moi je tiens beaucoup particulièrement, de l'espace public par la plantation d'arbres, les jardinières en pleine terre, etc., selon bien sûr les possibilités techniques. Plusieurs moyens sont à disposition du public pour l'engager dans cette concertation. Je sais qu'un certain nombre d'habitants nous suivent là en direct. La plateforme id.paris.fr permet aux habitants de se renseigner sur les consultations en cours, déclinées par quartier. Elle permet aussi aux habitants de retrouver la synthèse de toutes les concertations, les diagnostics, le calendrier des projets et enfin et surtout de soumettre des propositions via une interface dédiée, des ateliers thématiques, des marches exploratoires à adapter en fonction des mesures sanitaires, des phases de pré-référendum où on ne vote pas pour ou contre un projet, mais plutôt pour un projet ou pour un autre. Et enfin, des réunions de synthèse animeront ces semaines de concertation. Cela nous permettra évidemment d'alimenter nos propositions d'aménagement qui seront ensuite traitées par les services. Et à l'issue de la période de concertation, un dossier de concertation sera réalisé avec les propositions retenues pour présenter les travaux prévus par quartier. Les projets alors déposés au budget participatif, désormais déposés au budget participatif et ceux votés les années précédentes seront réorientés par la ville vers la démarche embellir votre quartier et mis en débat dans ce cadre dès lors qu'ils ne sont pas en phase de travaux ou de livraison ayant pour objet des travaux d'aménagement et concernant ces quartiers. Ainsi, si le dépôt d'un projet concerne le périmètre en cours de concertation, le projet est traité dans le cadre de la démarche quartier et n'est pas soumis au vote dans le budget, dans le cadre du budget participatif. Un autre dispositif, celui de la rue aux écoles, est concerné par cette démarche aussi avec plusieurs rues sur lesquelles on reviendra, parce que là, il y a des désaccords. Rue Saint-Charles, rue Rouelle, rue Blomet, place du Commerce. C'est une démarche finalement qui nécessite la participation de tous ceux qui veulent agir pour leur quartier. Cette première réunion publique dématérialisée, hélas, mais c'est comme ça, inaugure le lancement de cette concertation qui s'achèvera, comme je le disais au début de mon propos, le 21 avril. Les services qui sont ici présents vont vous présenter bien sûr le diagnostic technique, le calendrier de mise en œuvre, des modalités de la concertation engagée. Puis ensuite, bien sûr, vous aurez la parole pour que vous puissiez faire part de vos propositions afin d'enrichir les échanges. Et juste après cette introduction qui se voulait un peu synthétique, mais qui voulait dresser quand même le cadre de cette procédure, je pense que mes collègues de la mairie centrale, Jacques Baudrier et Anouche Torragnan, souhaiteront s'exprimer. Donc, Jacques, si tu complétais les choses. Merci, merci beaucoup, monsieur le maire, merci beaucoup, Philippe, de cette introduction très complète. Donc, je me présente, Jacques Baudrier, je suis adjoint à la maire de Paris au bâtiment public, mais pour ce soir, surtout en charge de la coordination des travaux sur l'espace public. Donc, je vais commencer la présentation de ce PowerPoint. Je remercie Louise Conta et Maëlle Garcia de la section territoriale de voirie qui vont le faire décider et faire la suite de la présentation. Je passerai après la parole à Anouche Toragnon. Donc, on peut passer à la présentation de la démarche, la slide d'après. Voilà, donc ça s'inscrit dans les ambitions fortes de notre équipe municipale parisienne, mais je crois qu'il est très largement partagé, de végétalisation de Paris, puisque si nous avons un objectif de végétaliser 100 hectares d'espace public au cours de ce mandat, c'est un objectif porté par Christophe Najdowski, qui est adjoint à la végétalisation de l'espace public, à la fois bien sûr pour embellir Paris, que Paris soit plus agréable, plus nature, mais aussi pour lutter contre le réchauffement climatique et l'effet d'îlot de chaleur urbain, puisque les prévisions
en termes de température, nous amène à craindre qu'il y ait des périodes de canicule très fréquentes et qu'il y a beaucoup d'endroits de Paris qui risquent d'être situation de difficultés, niveau de chaleur bas. Donc, nous pourrons ainsi réduire les nuisances et aussi avoir un effet très positif sur notre santé, améliorer le paysage et puis agir en faveur de la biodiversité et de la qualité de l'air. Bien sûr, des ambitions très fortes en termes de déplacement avec le plan vélo. Le plan vélo de cette mandature sera encore très probablement encore nettement plus ambitieux que celui d'une mandature précédente. C'est une politique portée par David Belliard, adjoint en charge de mobilité, qui est représenté ici par Vincent Mallard de son cabinet, qui est présent parmi nous, et je le remercie. Pour apaiser la circulation automobile, favoriser le déplacement cyclable, améliorer l'accessibilité et la sécurité des piétons. Ça, c'est une politique portée par Jacques Galvani, adjoint à l'accessibilité. Donc, c'est toute une équipe d'adjoints qui, moi, je coordonne la démarche. Voyons qu'il y a David Belliard, Christophe Tajowski. Il y a pour toutes les aspects de la concertation, c'est Anouche, l'adjointe à la démocratie en charge. Jacques Galvani, aussi Colombe Brossel, l'adjointe à la propreté. Emmanuel Grégoire, qui est adjoint à l'urbanisme et qui est représenté ce soir par Pierre Musso de son cabinet, que je remercie, qui pourra répondre aux questions et qui porte toute la démarche sur l'esthétique de l'espace public, et nous aurons une réunion de travail sur ce thème à l'échelle de l'arrondissement dans le cadre de cette démarche. Donc, toute notre équipe municipale porte de très nombreuses interventions, en particulier pour ce qui est la végétalisation et le déplacement, qui trouve, comme l'a très bien dit Philippe, un certain nombre de déclinaisons, comme les autres, les rues aux écoles, la piétonnisation de certaines rues, le plan de vélo, la végétalisation. Et notre but est de l'ensemble de ces démarches, de les rassembler, pas les faire par tranches, qui pourraient parfois s'opposer, mais essayer d'avoir une démarche globale à l'échelle des quartiers et une démarche pleinement participative qui place au centre les habitants et les usagers. Donc, cette méthode, c'est embellir votre quartier. Alors, c'est aussi, donc ça se veut une démarche au service de notre politique sur l'espace public et la plus participative aussi, mais aussi pour réduire les nuisances, comme l'a dit Philippe. Donc, il y a 30 000 chantiers dans une année N sur l'espace public dans Paris. La moitié, c'est des chantiers de bâtiments avec des barrières, des ravalements, construction, démolition d'immeubles. Et la moitié qui sont des interventions où il y a un marteau-piqueur, où on ouvre en gros les chaussées, les voiries. 80% de ces chantiers sont des chantiers des concessionnaires, c'est-à-dire les sociétés qui interviennent pour sur les réseaux d'électricité, de gaz, de chaleur urbaine, l'eau de Paris, etc. Donc, seulement 20% des chantiers sont des chantiers de la ville de Paris, mais on avait pour l'instant une méthode de coordination qui coordonnait dans le temps, sur une même année, on essayait de coordonner au mieux les chantiers pour pas faire tout, pour utiliser un chantier et faire deux choses en même temps au cours d'une année dans une même rue. Mais par exemple, on n'avait en gros pas de prévision pluriannuelle qui faisait que on pouvait très bien refaire le trottoir à neuf d'une rue et l'année d'après, hop, arriver les 10 pour changer à juste titre, mais le tuyau d'électricité. Puis 2 ans après, GRDF pour faire évoluer la conduite de gaz. Donc, on se retrouvait, vous retrouviez dans votre même rue avec 3 ans de suite, 3 chantiers qui éventraient votre rue pendant 3 mois. Donc, vous disiez qu'il y avait un problème de coordination réel. Donc, cette méthode embellir votre quartier nous permet de rassembler au maximum toutes les interventions, à la fois les interventions de la ville pour améliorer, entretenir votre espace public et les interventions des concessionnaires auxquels nous avons dit, pour chaque quartier, vous ferez tous vos travaux autant que possible. Parfois, il y a des travaux urgents qu'il n'est pas possible de coordonner, mais dans une même année. Donc, le but, c'est qu'en un an, on fasse 80-90% des travaux dans votre quartier et qu'après, vous ayez un espace public de qualité, mais vous soyez tranquille pour 4 à 5 ans et qu'il n'y ait pas au maximum d'autres chantiers de concessionnaires qui viennent éventrer et vous amener d'autres nuisances. Donc, c'est une méthode participative auquel nous associons tous nos concessionnaires et je les remercie de travailler avec nous. Donc, ça permet de limiter dans le temps la gêne et de tirer une prévisibilité pour les habitants parce que tous les chantiers que nous allons réaliser, nous allons les travailler dans le cadre de ce processus de concertation. Donc, vous pourrez être associé et mieux comprendre pourquoi on va faire les choses et comment on va travailler. Alors, cette démarche se pose en 4 phases. Donc, il y a le diagnostic, puis des ateliers de concertation. Alors,
Voilà, donc nous sommes, c'est la troisième réunion publique. Hein, le 15e arrive plutôt au début. Il y a 17 quartiers, vous allez avoir la carte au slide prochain, un par arrondissement qui ont été définis. Donc, toutes les réunions sont inaugurées par cette phase de diagnostic. Et ensuite, il y a des. Alors, du fait de la pandémie, on imaginait de faire beaucoup de balades urbaines pour aller sur le terrain, travailler dans le quartier. Pour un très grand quartier comme celui qui nous rassemble ce soir, Mirio, Zola, Saint-Lambert, peut-être sans doute deux balades urbaines parce que c'est très grand. Et donc pour aller voir et identifier les endroits qui a aménagé. Mais il y a aussi toute la participation en ligne sur le site id.paris.fr. Donc dès ce soir, va être en ligne le diagnostic qui va vous être présenté du quartier et vous pourrez faire des propositions d'aménagement directement sur le site. Vous verrez, il y a déjà des quartiers Goutte-d'Or dans le 18e et Secrétan dans le 19e où il y a déjà un certain nombre de propositions qui ont été faites, que les réunions ont déjà eu lieu par le passé. Donc voilà, tout le monde peut faire ses propositions. Et ensuite, donc, pour ce qui est des balades urbaines, sans doute attendrons-nous un peu que la période soit la plus propice en termes de pandémie. Et ensuite, une fois qu'on a l'ensemble de ces propositions qui viennent, qui sont remontées, y compris bien sûr celles portées par la mairie d'arrondissement qui va vous être présentée ce soir, parce qu'il y a une carte des possibles, un diagnostic qui a été travaillé par la direction de la voirie en lien avec votre mairie d'arrondissement et votre élu d'arrondissement, bien sûr, le maire Philippe Goujon, un certain nombre de propositions que vous faites. Après, tout cela va être étudié. Et le but est de hiérarchiser. Alors, les budgets, c'est en fonction de l'arbitrage du plan d'investissement de la mandature, mais Philippe Goujon a dit à peu près des échelles de l'ordre de 5 millions d'euros qui seront attribués à chaque quartier pour qu'on définisse un certain nombre de priorités. L'objectif ce soir, si on peut déjà définir, vous allez avoir un certain nombre de propositions qui peuvent être priorisées pour que les services puissent commencer à travailler et qu'on, avant de définir un programme global d'intervention, avec 5 millions d'euros, on peut espérer réaliser au moins une dizaine d'aménagements. Donc, voilà, il y a quand même, en bénévole quartier, ça veut dire un certain nombre d'aménagements conséquents. Et puis, avec des travaux, le plus vite possible. Donc, si jamais on peut s'entendre très vite, ça pourrait commencer dès l'été, l'automne 2021. Et puis, la plupart en 2022 pour les aménagements plus importants. Je vais terminer avant de passer la parole à Anouche sur la carte, la slide suivante. Voilà. Donc, voilà, vous avez 17 quartiers traités en 2021 pour cette première salle. Vous voyez plus de quartiers du centre de Paris parce que les arrondissements du centre de Paris ont moins de quartiers. Donc, ils sont favorisés par cette première phase. Mais dès la deuxième phase, on espère commencer sans doute à l'automne une deuxième phase. Il y aura bien sûr les très grands arrondissements comme le 15e, en fait, tous les arrondissements, 16e, 19e, 20e, 18e. Qui auront un deuxième quartier. Donc voilà, il y a deux. Et c'est les maires d'arrondissement qui ont défini la carte des quartiers et l'ordre des quartiers. Ce sont que voilà, leur choix est le bon. Et donc c'est un quartier central dans l'arrondissement avec plein d'opportunités. C'est un très bon choix par construction, puisque c'est le choix de votre maire, que ce quartier-là. En tout cas, il y a plein d'opportunités d'aménagement. Et moi, je trouve aussi que c'est un excellent choix pour connaître un peu le 15e, donc sur lequel nous allons travailler ce soir. Voilà, j'en ai terminé. Je vous propose, si Anouche, si tu veux dire un mot sur la concertation. Oui, avec plaisir. Merci, Jacques. Bonsoir à toutes et tous. Je me joins évidemment aux remerciements de mes collègues pour votre présence ce soir. Je suis particulièrement ravie d'être parmi vous ce soir, à la fois en tant qu'élue du 15e, bien entendu, mais aussi comme adjointe à la maire de Paris en charge à la fois de la vie associative et de la participation citoyenne. Et c'est à ce titre que je suis là aussi ce soir parmi vous. Vous remercier aussi parce qu'on sait combien il est souvent difficile de se mobiliser en soirée pour participer à des réunions publiques. Et c'est d'autant plus compliqué dans une période comme celle-ci où les échanges se font à distance et on le regrette tous et toutes. Et donc, je tenais évidemment à vous remercier tout particulièrement pour votre participation et pour les discussions à venir qui, je n'en doute pas, seront très riches sur un quartier qui m'est très cher. Vous aurez d'ici quelques minutes donc une présentation un peu plus précise de la démarche de participation qui a été présentée dans les grandes lignes par mon collègue Jacques Baudrin. Donc, mon intervention sera également assez brève. Il s'agissait principalement d'insister sur la philosophie de cette démarche, puisque, avec Embellir votre quartier, on souhaitait véritablement recueillir vos avis sur l'usage de l'espace public pour repenser avec vous votre quartier. Et donc, la volonté de la démarche Embellir votre quartier, c'était de vous donner la parole pour créer de véritables zones d'aménagement participatif afin de collectivement capitaliser et surtout nous appuyer sur votre expérience, votre expertise et surtout faire confiance à votre créativité pour façonner ensemble ce qui fera la ville et en l'occurrence le quartier de demain. Donc voilà, pour votre information, on vient également de clore le dépôt des projets dans le cadre du budget participatif.
Il y a eu 2300 projets qui ont été déposés, ce qui constitue une hausse par rapport aux anciennes éditions. Donc, on est évidemment ravis de ce score, si je puis dire, et du nombre de projets déposés, puisque ça témoigne encore une fois de votre envie et de vos idées pour imaginer fabriquer le Paris de demain. Et donc, comme je le disais, c'est sur cette créativité et cette expérience que nous souhaitons nous appuyer pour façonner nos projets. Et comme vous le verrez dans cette présentation, nous avons souhaité que cette phase de concertation soit la plus ambitieuse possible, avec notamment des référendums, c'est-à-dire vous offrir la possibilité de voter pour ou contre certains projets qui vous seront présentés à l'issue de cette phase de concertation. Et comme l'a dit justement mon collègue Jacques Baudrier, cette démarche se fera dans un cadre temporel qui sera contraint, justement pour assurer une réalisation la plus rapide des projets identifiés. Voilà. Votre quartier, donc Commerce, Émeriau, Zola, Saint-Lambert, a des enjeux qui lui sont propres. Et en tant qu'habitant ou comme usager du quotidien aussi, on considère que c'est vous finalement qui êtes les plus fins connaisseurs de votre quartier. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons et nous estimons qu'il est incontournable de vous associer à la définition des futurs travaux qui seront menés. Et comme voilà, je l'ai dit en introduction, on est là avant tout pour vous entendre. Je ne serai pas plus longue et je vous laisse la parole et je suis avide de vos propositions et de vos idées. Merci encore. Oui, merci. Merci. Avant de passer la parole aux services techniques, d'ailleurs, hein, qui vont rentrer dans le détail, je voudrais signaler aussi la présence d'autres élus du 15e, notamment Grégory Canal, mon premier adjoint, Mathieu Luineau, qui est adjoint auprès de moi, chargé de la démocratie participative et du budget participatif, mon adjoint chargé de l'amélioration de l'espace public, Jean-Yves Pinet, qui a beaucoup travaillé aussi sur ce sujet, les trois adjoints de quartier, que sont Jean-Philippe Pierre pour Saint-Lambert, Pasteur Montparnasse, Valérie Giovannucci pour Viollet-Commerce, Commande Garibaldi, Jacques-Henri Semel pour Duplex, Maud Piquet, Meuriot, Zola. Donc peut-être, avant de passer la parole au service technique, un mot de Grégory Canal. Non, non, je n'en ai pas, mais c'est Bon, une alors question. Mathieu Luineau, un mot sur cette opération. Merci, Monsieur le Maire. Bonjour à tous. Beaucoup a été dit déjà sur la concertation. Juste un mot à rajouter pour vous dire que dans le 15e arrondissement, la vision que nous avons de cette concertation, c'est qu'elle puisse vous permettre d'exprimer vos besoins réels pour votre quartier. C'est vous qui le vivez, le pratiquez au quotidien. Et c'est notamment pour ça qu'à la mairie du 15e, nous avons tenu à ce que les périmètres qui sont choisis correspondent au conseil de quartier. Ce n'est pas le cas dans tous les arrondissements de Paris, parce que nous avons pensé que les conseils de quartier sont finalement un échelon naturel pour cette discussion. Vous aurez l'occasion dans vos quartiers respectifs, dans vos conseils de quartier respectifs au long du mois de mars, d'en discuter notamment dans l'organisation de groupes de travail, discuter de l'organisation d'éventuelles marches exploratoires pour compléter les balades urbaines qui ont été mentionnées précédemment. Et puis, nous tâcherons à la mairie également d'organiser des visioconférences, notamment thématisées sur la végétalisation, sur les pistes cyclables, pour compléter ce dispositif et recueillir votre contribution à cette concertation. Je vous remercie. Oui, donc je voudrais aussi saluer bien sûr les trois présidents de conseils de quartier qui sont, je crois, présents parmi nous, je vois pas d'ici là où je suis, et qui interviendront sans doute également, qui sont des habitants, hein, qui ont été tirés au sort et ensuite élus par le collège habitant des conseils de quartier. Est-ce qu'un autre de mes adjoints souhaitait intervenir ou on peut passer la parole au service technique? Que quelqu'un se manifeste? Non? Alors, on va peut-être engager tout de suite les débats avec peut-être présentation par la voirie. Est-ce que vous m'entendez, la voirie? Je ne sais pas qui présente. Qui est-ce? Je suis avec Maëlle Garcia. Allez-y, parlez. Est-ce que vous nous entendez? Oui, présentez-vous. Oui. Nous sommes à deux voix, en fait. Louise Conta, chef de la section territoriale de voirie sud-ouest, donc qui comprend le 15e et le 16e arrondissement. Et je suis avec Maëlle Garcia, qui est chez nous chef de projet territorial et qui est chargée de construire et d'animer dans mes équipes cette démarche quartier. Et nous allons faire une présentation à deux voix. Allez-y. Yeah.
Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va commencer avec la présentation de quelques éléments de ce diagnostic. Donc, pour rappeler, ce diagnostic, il a été fait, c'est un assemblage un petit peu d'éléments cartographiques et de relevés de terrain et d'observations qu'on a pu faire. C'est une démarche un petit peu nouvelle du côté des services techniques. Donc, on est là, on vous présente les éléments qu'on a aujourd'hui, et puis on est bien sûr preneur de toutes les remarques, tant sur le diagnostic que sur les propositions qu'on va vous faire ensuite. Et vous pourrez retrouver ce document, même plus détaillé, sur le site id.paris.fr, a priori dès demain. Donc, pour commencer, ça marche. Bien. Pour commencer, on rappelle un petit peu le nombre de transports en commun qui sont présents dans ce quartier. Donc, on voit, et vous le savez, et c'est très bien desservi par les transports en commun, beaucoup de bus qui passent dans ces trois conseils de quartier. On a aussi, bien sûr, des Noctiliens et puis la traverse qui est un petit peu particulière, mais très utile aussi dans ce quartier. Et du côté des métros aussi, donc on a les trois lignes de métro que vous connaissez, la ligne 12, la 8 et la 10, ainsi que le RER avec la station de Javel, très importante. Au niveau du trafic routier, ce qu'on voit, c'est qu'on a quelques grands axes qui traversent le quartier. On peut noter par exemple les quais. Ou l'avenue Émile Zola, la rue Linois aussi, qui sont des axes à la fois larges et avec un trafic important. Notez aussi la rue de Vaugirard ou la rue Lecourbe, qui sont par endroits un peu moins larges, mais qui ont quand même un trafic important qui passe. Côté aménagement cyclable, oui, donc. Pardon, on avait loupé une page. Bref, au niveau du plan de circulation du quartier, donc là on a remis un petit peu le plan de circulation où on revoit ici les grands axes. Donc on disait l'avenue Émile Zola, Convention, les quais, la rue Linois. Et puis on va voir aussi les zones un peu plus apaisées, donc les zones un peu plus résidentielles, par exemple la zone autour du métro Commerce et de la rue du Commerce qui est une zone de rencontre. On a aussi des aires piétonnes comme devant la mairie, la rue Le Mont-Séché et puis la rue aux écoles au niveau de la rue Gerbert, qui sont des zones un petit peu plus apaisées et résidentielles. Au niveau des aménagements cyclables, donc ici on voit les grands aménagements cyclables, les grandes pistes, y compris les pistes temporaires qui ont été mises en place récemment. Donc, on a le réseau Rêve du côté des quais, on a la piste cyclable de la rue Lecourbe, on a aussi les pistes provisoires, voilà, rue Linois et rue de Vaugirard. Et puis, on voit dans le quartier autour de la rue du Commerce, un quartier en zone 30, où on a des aménagements cyclables aussi, qui sont essentiellement la présence de double sens cyclable dans les rues. Passons au stationnement. Donc ici, on a remis aussi un petit peu des données liées au stationnement. Donc toutes les rues qui sont stationnées, on voit qu'il y en a encore beaucoup. Des rues qui sont stationnées, soit stationnées en bilatéral des deux côtés, soit uniquement d'un côté, avec une petite répartition du stationnement, avec essentiellement du stationnement payant et puis. Quelques d'euros. Du côté du stationnement en ouvrage, donc cette fois-ci et non sur voirie, on a un parking public du côté de la mairie et puis un certain nombre de parkings privés et de parkings de bailleurs sociaux. Donc on voit déjà que dans le quartier, côté des bailleurs sociaux, il y a quand même environ 1 000 places qui sont. Offertes par les bailleurs sociaux. Donc on a quand même un stock conséquent dans ce quartier-là. Niveau accessibilité, très rapidement, voilà, on a un certain nombre de places qui sont réservées, places de stationnement sur voirie qui sont réservées pour les personnes
à mobilité réduite. Et puis, une petite cartographie des trottoirs, de la largeur des trottoirs, là où on a des trottoirs un petit peu plus étroits par moment, sur des petites rues ou sur des rues parfois un peu plus. Au niveau des usages, donc on part un petit peu de la partie mobilité pour revenir un petit peu sur les usages. Ici, c'est une carte intéressante qui nous montre les centralités. Donc les centralités, ça montre un petit peu l'attractivité et la vie qu'il peut y avoir dans ces rues. Donc on retrouve en rouge et en orange les rues qui sont un petit peu vivantes, donc directement corrélées aux rues commerçantes en réalité, avec en rouge des attractivités un peu plus locales. Et en orange, une attractivité qui est dite mixte, comme par exemple près du centre commercial, ou la rue du Commerce, ou même la rue de Vaugirard, où l'attractivité est mixte, donc pas uniquement des personnes en local et du quartier, mais une attractivité un peu plus globale. Et puis on retrouve en rose et en gris un certain nombre d'équipements publics, tels que les écoles, ou les bibliothèques, la mairie, etc. Donc tous ces éléments qui produisent une attractivité et un petit peu une vitalité dans le quartier aussi, qui sont très présents. Donc comme on le disait, l'attractivité est directement reliée au commerce. On a quand même pas mal de commerces dans ce quartier avec des typologies assez différentes. Ça va du centre commercial de Beaugrenelle, donc très important avec une grande densité, à des petites boutiques de quartier et de proximité dans les rues commerçantes comme la rue du Commerce, la rue de Vaugirard, et puis aussi des marchés. Marché de rue Saint-Charles, qui n'est pas directement dans la zone de conseil de quartier, mais qui est quand même très proche et qui joue un rôle important. Voilà, et niveau marchandises logistiques, donc quand on a des commerces, on a forcément besoin de livraison. Donc on voit qu'on a quand même une densité de livraison assez importante sur la zone, avec des aires de livraison qui sont plus ou moins utilisées en fonction des zones. Passant un petit peu aux mésusages qui sont présents. Donc ici on a deux cartes qui présentent un petit peu de manière schématique. C'est une carte de chaleur. Donc de mésusages de propreté et d'objets abandonnés. Donc voilà, ça nous permet de repérer un petit peu. Voilà, c'est à partir des signalements dans ma rue, de l'application dans ma rue, donc signalée par les résidents du quartier. Et donc voilà, ça nous permet de voir un petit peu là où il y aurait des soucis plus importants de propreté ou d'objets abandonnés. Passons à un thème très important, donc la végétalisation. Donc ici, c'est un petit peu un état des lieux de ce qu'on a sur le quartier. On a pas mal de squares, plus ou moins grands. Le square Saint-Lambert, évidemment. On a le square Violet, Place du Commerce, Pablo Casals, entre autres. Et puis, quelques autres espaces de végétalisation un peu moins cadrés, donc hors des squares. Comme des permis de végétaliser en pied d'arbre, donc faits par les habitants, ou des bacs sur l'espace public, voilà, par exemple du côté de la mairie ou avenue Félix-Faure. Au niveau de la couverture végétale, c'est assez parsemé dans le quartier. On a des arbres, des alignements d'arbres avenue Émile Zola, par exemple. Mais la couverture elle reste assez faible sur la voirie, même si on a ces squares qui ramènent un petit peu de verdure. Donc la végétation assez parsemée. Voilà. Donc pour conclure un petit peu, on va vous présenter trois petites cartes de synthèse. Ici, on fait une petite synthèse des mobilités où on a remis avec des flèches noires et grises les rues où le trafic routier était le plus important. Les rues en orange et en rouge, où la sollicitation piétonne est la plus forte, donc essentiellement les rues commerçantes, et puis les sollicitations cyclistes, aussi là où on a le plus de cyclistes qui passent, et ce qui nous permet de voir qu'il y a certaines rues qui sont très fortement sollicitées par tous les modes de transport, ce qui peut créer des conflits et qui sont simplement les rues les plus attractives.
Et donc ici, au niveau des usages, on revoit l'attractivité des rues directement liée au linéaire commerçant. Donc, on a plusieurs linéaires commerçants, rue Girard, rue Lecourbe, par exemple, le centre commercial, et puis en rose, les équipements publics qui sont aussi très attractifs. Et puis pour finir, la synthèse du paysage et de l'environnement, où on revoit tous les squares, tous les arbres qui sont présents, ainsi qu'au niveau du paysage, les lieux un petit peu singuliers en jaune, toutes les places, les parvis, et puis les monuments un petit peu singuliers, comme les églises, le ministère par exemple. Et puis au niveau de l'environnement, quelques données donc en gris, des zones qui sont considérées comme étant en carence de végétation, c'est-à-dire où on a moins de 20% de la végétation sur ces zones-là grises. Les rues chaudes, avec cette couleur un peu rouge-orangé, donc les rues qui sont un peu plus chaudes que la moyenne. Et puis les secteurs à plus de 7 minutes d'un niveau de fraîcheur nocturne. Donc ils donnent un petit peu des informations sur l'environnement. Et puis, on va passer après ça à une petite présentation de quelques pistes de propositions pour ce quartier. Comme l'ont dit les élus en introduction, à la fois les élus de l'hôtel de ville et de la mairie du 15e, il s'agit pas à ce stade d'avoir déjà des propositions très travaillées qu'on vous soumet. L'idée, c'est bien de concerter. Donc aujourd'hui, le cœur de la présentation constituait surtout le diagnostic. Que vous aurez en téléchargement à partir de demain sur id.paris et que vous pourrez regarder à tête reposée. On est conscient que certaines cartes sont difficilement lisibles et appréhendables comme ça, surtout en passant vite, mais vous aurez le document complet en téléchargement. Ce qu'on a essayé de synthétiser dans cette seconde partie, c'est ce qu'on a appelé propositions d'aménagement, mais encore une fois, qui sont à ce stade des grandes intentions. Et à soumettre au débat, il y a plusieurs choses dans cette carte qui est à l'écran. On a, comme le disait Maëlle, des axes qui sont aujourd'hui très fréquentés par tout type d'usage et où souvent, notamment sur... enfin voilà, où souvent tant les vélos que les piétons n'ont pas forcément toujours l'espace confortable pour se déplacer en sécurité et pour cohabiter de manière apaisée. Donc ça, c'est des axes qu'on a dans notre viseur de la réflexion, en tout cas, sans avoir à ce stade de propositions définies. On pense notamment à la rue Linois, qui est aujourd'hui sur laquelle on a fait une piste cyclable provisoire, une corona piste, et qui est en fait très peu végétale. C'est des sujets qui peuvent se travailler dans le cadre de la pérennisation d'un aménagement cyclable pour y intégrer d'autres éléments de programme. Vous voyez aussi matérialisé par la flèche verte un axe qu'on pourrait identifier comme un axe de promenade à apaiser qui relierait en fait la Seine, enfin l'axe Seine au cœur de l'arrondissement en passant par les squares existants et où on se dit que à la fois sur des rues qui présentent un potentiel à la fois d'apaisement pour les rues qui sont vraiment au cœur des quartiers, d'apaisement circulé, donc de végétalisation ou de transformation de stationnement en espaces plus végétaux, plus apaisés, en jardinières, en arbres. On pourrait travailler un axe végétal qui traverserait en fait les trois cœurs de quartier. Et puis plus généralement, des zones résidentielles qui sont parfois peu sollicitées en termes de circulation, où on est bien conscient qu'il faut à la fois maintenir un accès pour les riverains, mais empêcher la desserte de transit qui est à la fois source de pollution, de bruit et de nuisance en fait pour ceux qui y habitent et ceux qui le parcourent et qui ont des usages très locaux et où on se dit qu'on pourrait travailler. C'est des espaces qui sont aussi souvent en carence de végétation, donc en travaillant tant sur la circulation que sur le stationnement, c'est des espaces avec un fort potentiel d'amélioration. De manière un peu plus détaillée à ce stade, on a récapitulé dans cette carte l'ensemble des potentiels. Les rues identifiées en bleu comme à apaiser sont par exemple la rue du Commerce où il y a aujourd'hui, où
ou la rue de l'Abbé Groux, où on pourrait faciliter les cheminements piétons. C'est des rues, en tout cas pour l'Abbé Groux, où les trottoirs sont très étroits et où cette dichotomie entre une forte sollicitation piétonne notamment et un espace qui n'est pas forcément aménagé pour nous les a fait identifier comme des rues à apaiser. Il y a aussi une portion de la rue Blomet à l'intersection avec l'Abbé Groux, enfin dans la portion autour de l'Abbé Groux. La place du commerce aussi en particulier. On a identifié également les abords des écoles, notamment l'école Rouel, qui est située au nord vers le square Béla Bartok, qui est très peu circulée et qu'on pourrait réaménager dans le cadre de rues aux écoles. On a identifié d'autres établissements scolaires, mais qui, de par leur localisation sur des grands axes ou sur des rues, en tout cas où passent des bus, sont difficilement apaisables, entre guillemets, par rapport à des écoles comme la rue Rouel, dans des rues un peu plus confidentielles. On a également identifié des points en termes de mobilité vélo qui pourraient davantage profiter à ce mode de transport doux. La rue Émile Zola aujourd'hui qui comporte une circulation vélo dans le couloir de bus, mais pas davantage, et qui pourrait devenir un axe de traverse de l'arrondissement un peu plus qualitatif que ce qu'il est aujourd'hui, et surtout plus confortable et plus sécuritaire. La rue de la Convention, un peu avec le même constat, c'est-à-dire qu'il y a des vélos dans la voie de bus, mais qui n'ont pas d'aménagement dédié et qui, de fait, peuvent être pour les vélos relativement dangereux. Et on a également identifié la rue de Vaugirard, où il y a actuellement une coronapiste et où un aménagement cyclable plus pérenne est prévu. On a remis le potentiel de végétalisation sur lequel je ne viens pas, et on a identifié quelques ce qu'on appelle lieux singuliers à réaménager qui sont issus des échanges non pas des dernières semaines mais des dernières années avec la mairie d'arrondissement. Il y a plusieurs choses en termes d'aménagement. Premièrement, on peut réfléchir à des espaces qui sont aujourd'hui peu qualitatifs, et on en est conscient, nous-mêmes sommes aménageurs, donc je dis ça en toute humilité. Je pense notamment à la portion de la rue de Vaugirard qui est aujourd'hui devant le commissariat, qui est très large avec beaucoup de stationnements parfois un peu sauvages et très peu végétal. C'est un lieu qu'on pourrait demain réfléchir à réaménager de manière encore une fois plus confortable pour tout type d'usagers. La rue Emerio et la place de Brazzaville sont également aujourd'hui un espace relativement délaissé, avec beaucoup d'espace pour la voiture, des trottoirs larges, mais pas forcément un aménagement qui reste très minéral, et où on peut se dire qu'on réfléchit à un aménagement un peu plus qualitatif. En termes de piétonisation stricto sensu, il y a aussi des petites, j'ai parlé tout à l'heure d'écoles. On a aussi la place du commerce ou des endroits très peu circulés avec une desserte très locale. Je pense à la rue Meillac, Auguste Porchin et ce secteur, qui était d'ailleurs des réflexions issues d'un budget participatif ancien et qu'on pourrait, si ça apparaît une priorité lors des échanges avec les habitants, remettre dans les tuyaux, comme on dit. Et puis, sur les axes à végétaliser, j'en ai parlé tout à l'heure avec la promenade, on pense aussi à la rue Lecourbe, où de la même manière, il y avait eu des demandes lors des budgets participatifs précédents. Et cette démarche quartier est aussi l'occasion de travailler sur ce type d'aménagement. Donc, vous voyez, l'ensemble des possibles est grand. On est aussi nous, côté service technique et aux côtés de la mairie d'arrondissement, évidemment très preneurs d'avoir ces échanges avec vous avec vous tous, pour que vous veniez challenger le travail qu'on a déjà fait et qui est une première version, et puis pour comprendre aussi en termes d'usage, parce que l'expertise d'usage, nous on a notre expertise de service technique et l'expertise d'usage vient vraiment des habitants, donc on en attend aussi beaucoup
des échanges qu'on va avoir dans les prochaines semaines. Pour récapituler, voici un peu les grands enjeux qui peuvent rentrer en fait et les grands types d'aménagements qu'il peut y avoir dans le cadre de cette démarche quartier. On a peu insisté, mais on est conscient, Maëlle vous a montré tout à l'heure la carte des doubles sens cyclables qui ont été faits autour du secteur commerce dans le cadre du passage en zone 30. Ça, c'est dans le cadre de cette démarche quartier des aménagements qu'on va de toute façon généraliser sur l'ensemble du périmètre étudié et qu'on fera quartier par quartier aussi dans les années suivantes. On est passé un peu vite sur la carte précédente. J'ai peu parlé d'accessibilité. J'ai parlé de la rue de l'Abbé Groux et de la rue de la Croix-Nivert où on pourrait penser faire un aménagement un peu plus qualitatif avec un vrai élargissement de trottoir pour améliorer l'accessibilité. Pardon. Il y a aussi quelques bâtiments qui sont identifiés par les croix jaunes sur le plan, qui sont des équipements publics qui sont aujourd'hui non accessibles. La bibliothèque rue Lecourbe et puis l'église rue Gerbert, il y en a probablement d'autres. C'est en ce sens-là que je disais que notre travail est encore une version à alimenter là, au cours des semaines de concertation qui arrivent. Voilà, donc cette démarche quartier, de notre point de vue, voirie et déplacement, elle permet un grand nombre de projets. Et un grand nombre d'idées, et on est maintenant preneur de vos retours et de vos questions. J'avais un tout petit point sur les prochaines étapes de la démarche. Vous aurez à partir de demain l'ensemble des documents sur idées.paris et les conseils de quartier programmés par la mairie d'arrondissement sont prévus là de courant mars sur les trois quartiers concernés. Les dates sont à l'écran. Voilà, monsieur le maire, j'en ai terminé. Merci pour cette présentation dans le détail. Beaucoup de choses ont été dites. Ce sont aussi des propositions de la mairie centrale que la mairie d'arrondissement ne partage pas forcément sur tous les points, mais ça va faire l'objet justement des débats, des discussions pour le meilleur fonctionnement possible de l'arrondissement, bien sûr. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on marche ensemble et puis il y en a d'autres sur lesquelles on a des divergences, mais enfin ça c'est normal. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, c'est pas l'objet, et puis il est tard, et puis il faut que tout le monde s'exprime. Mais c'est que moi, qui suis vraiment un fervent adepte de la végétalisation, que je demande depuis des années dans beaucoup de domaines, et les choses avancent, hein, pas assez vite, mais ça avance. Peut-être que Monsieur Béroir, qui est le directeur, enfin le chef de la subdivision des parcs et jardins, nous dire quelque chose pour compléter sur le plan de la végétalisation et des parcs et jardins, Monsieur Béroir. Oui, bonjour à tous. Écoutez, non, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à la présentation qui a été faite par mes collègues de la STB. On travaille en étroite collaboration sur tous les sujets de végétalisation de l'espace public. Donc, on sera de toute façon associés et notre expertise sera sollicitée lors de chacune des réalisations prévues par la STV. Peut-être je peux juste vous signaler le réaménagement prochain du square Pablo Casals qui se trouve dans l'arrondissement et qui est un des plus grands espaces verts du secteur. Donc c'est toute la partie sud du jardin qui va être réaménagée. Voilà. Bien, merci. Est-ce que, avant de passer la parole, il y a un adjoint ou deux qui veulent s'exprimer? Sinon, en réponse aux questions, en intervention diverses, non? Alors, pour le bon fonctionnement de notre débat, je vous demanderai à la fois d'appuyer sur le bouton réaction et sur la touche lever la main pour qu'on puisse voir ici à l'écran. Qui veut prendre la parole? Alors, est-ce qu'on a... Qui... Je ne vois pas qui c'est. Quadrance. Monsieur Quadros, vous avez la parole.
Oui, bonsoir. Ah, c'est madame. Oui, c'est Marie Quadros, la présidente de quartier. Ah oui, pardon, ben oui, bien sûr. Bien sûr. Bonjour, chère présidente, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors moi, j'ai juste une question que je viens de poster dans le chat d'un point de vue organisation. Pour quand sera attendu nos retours? Quelle est la date de clôture de nos idées? Donc, j'imagine que ce sera après les réunions de conseil de quartier. Et conjointement, quand sont prévues les visites sur site qui ont été proposées en début de réunion, pour qu'on ait une idée un petit peu du temps que nous avons pour faire nos propositions? Alors, si j'ai bien compris, c'est le 21 avril, mais peut-être que Jacques Baudrier ou Anne Soragnan veulent préciser. Jacques Baudrier. Oui, très, très bonne question. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions comme a fait madame dans le chat, hein, parce que ça peut être très interactif. Anouche a déjà répondu à certaines choses aussi que monsieur le maire. Donc, ça permet d'avoir deux canaux de conversation dans ces réunions, à la fois par écrit et par oral. En termes de temps, au vu de la situation sanitaire et des incertitudes extrêmement fortes aujourd'hui qu'on a, on n'a pas défini le calendrier. On risque de détendre un peu le calendrier au-delà de fin avril pour avoir le temps de faire des balades urbaines dans de meilleures conditions. Probablement, ce ne sera pas au mois de mars au vu de la situation sanitaire, encore que les choses bougent très vite, mais plutôt en avril. Et de toute façon, pour les remontées de propositions, vous pourrez dès ce soir, déjà la réunion ce soir va permettre de faire revenir des propositions, et vous pourrez dès ce soir rentrer sur le site idées.paris.fr toutes les propositions que vous souhaitez pendant au moins un ou deux mois. Donc voilà, le but, c'est de bien prendre le temps qu'il y ait toutes les remontées, qu'on ait le temps d'aller sur le terrain ensemble et d'échanger avec les conditions sanitaires qui nous permettent. Si on est confiné, ce sera évidemment compliqué. Et voilà, on est comme on imagine peut-être de voir si on pourrait faire des réunions, des balades virtuelles sur le terrain. On y a déjà eu un essai Porte de la Chapelle. On est en train de regarder techniquement si c'est possible. Enfin, voilà, du fait de la situation sanitaire, on va peut-être détendre un peu le calendrier. Le but, c'est qu'on prenne bien le temps de bien que chacun puisse s'exprimer dans les meilleures conditions. Merci. Je crois que j'ai une demande de prise de parole de Jean-Yves Pinet, adjoint chargé d'espace public dans le 15e. Jean-Yves Pinet, c'est bon? C'est bon, on t'écoute. Voilà, ça y est, le micro est ouvert. Oui, bonsoir à tous. Je vais mettre la vidéo comme ça, ce sera mieux pour tout le monde. Oui, juste un petit mot sur la manière dont on va essayer d'organiser ça au mieux, comme ça a été dit, en fonction des impératifs sanitaires. On fera au mieux et au max de ce qu'on pourra faire, et même si on sera un petit peu en retard sur les délais, et si on peut grappiller quelques jours, on le fera. S'il doit y avoir des visites de quartier organisées en petits groupes, on pourra en refaire plusieurs. On essaiera de voir avec la DVD que on puisse tout faire au mieux, sans précipitation. C'est vrai que les délais qui ont été annoncés tout à l'heure sont très courts, mais on essaiera de le faire au max. Virtuel ou présentiel, c'est vrai que sur une visite de quartier, c'est quand même mieux présentiel. Donc voilà, on tiendra à votre disposition et on le fera au mieux, mais aussi avec les conseils de quartier, surtout avec les conseils de quartier. Merci de cette précision. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Alors, je ne vois pas d'ici, allez-y. Monsieur Pierrick, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Pierrick Allette, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Ouais. Moi, je constate qu'il y a eu quand même beaucoup d'aménagements récents sur les coronapistes, un peu vécues parfois comme des choses un peu soudaines dans les quartiers. Et je voulais savoir s'il y avait, dans le cadre de ce constat-là qu'on vient d'avoir, est-ce qu'il va y avoir aussi un bilan qualitatif, également en termes d'usage par les résidents, d'usage par les Parisiens, et puis... et aussi sur la gêne qu'elle peut occasionner dans les déplacements autres que sur les vélos. On l'a vu notamment dans le quartier Vaugirard, par exemple. C'est sûr que la piste Vaugirard crée beaucoup de perturbations. Il y a des réflexions, d'ailleurs, hein, sur l'évolution de cette piste. Il est peut-être encore prématuré d'en parler, mais oui, il y a effectivement l'examen approfondi du bilan qu'on peut déjà tirer de ces pistes, mais je voudrais passer la parole peut-être à Madame Conta, qui pourra peut-être dire plus de choses sur les coronapistes et leur évolution éventuelle. Madame Conta. Oui, pardon, mon micro était coupé.
Ces coronapistes ont été réalisées en état de, enfin, dans la suite de l'état d'urgence sanitaire cet été, et en effet, sans davantage sans concertation. Il s'agit par contre d'aménagements provisoires dont la pérennisation en l'état n'est à ce stade pas actée. Et évidemment, on est en train de faire sur la rue Linois notamment des comptages après aménagement pour compléter ce qu'on a fait avant l'aménagement. Et on présentera évidemment un bilan avant de discuter des aménagements futurs à ce stade. Peut-être que les élus de l'hôtel de ville souhaitent compléter. Je pense qu'en termes de méthode, c'est à ce stade ça qui est prévu. Oui, et je dois dire que j'ai évoqué cette piste Vaugirard qui nous crée quand même beaucoup de problèmes avec la maire de Paris indirectement hein, pour voir comment on pouvait faire en sorte que la vie des riverains de la rue de Vaugirard soit moins troublée, quoi, hein. Donc c'est vraiment notre problème central, hein, cette double piste de la rue de Vaugirard. Donc on sera amené à en reparler. On a un comité vélo aussi dans le 15e qui s'est réuni d'ailleurs il y a quelques jours pour évoquer ces pistes, pas seulement les coronapistes d'ailleurs, hein, mais le développement de l'usage du vélo aussi dans le 15e. Est-ce qu'un adjoint au maire, M. Baudrier, veut dire un mot, Madame Tonragnan? Moi, je vais proposer que ça soit parce que David Béliard, l'adjoint mobilité en vélo, est représenté par Vincent Mallard. Si on pouvait lui donner la parole, parce que c'est lui l'élu de référence. Vincent Mallard, je l'ai vu dans la liste. Monsieur Mallard qui est travaille avec Monsieur Béliard, qui est lui-même l'adjoint chargé des déplacements. Oui, tout à fait. Oui. Donc effectivement, on souhaite faire observer, faire un bilan. On souhaite évidemment pérenniser ces pistes dans la mesure du possible pour permettre aux cyclistes de se déplacer en sécurité et permettre une alternative à la voiture. Mais ça doit se faire en concertation. Comme ça a été dit tout à l'heure, ça n'a pas pu être fait dans le cadre de l'installation, puisque ça a été fait dans le cadre de l'urgence sanitaire. Donc ça, c'est vrai que beaucoup de riverains et riveraines se sont un peu émus de cette urgence, mais il fallait intervenir très vite. Et donc aujourd'hui, on observe, on améliore, on l'a fait il y a quelques jours sur la piste Gambetta, on l'a un peu modifié pour que la circulation se passe mieux. Voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, on est plutôt dans cette démarche, tout en cherchant quand même à essayer de pérenniser ces pistes le plus possible parce qu'elles sont vraiment importantes. Voilà, on a quelques idées d'évolution, on en reparlera. Y a-t-il d'autres interventions, monsieur? Comment? Beton? C'est ça, monsieur Beton? Vous avez la parole. Votre micro est ouvert. Samy Beton, c'est ça? Bon, visiblement, vous n'arrivez pas à vous connecter. D'autres interventions? Madame Isabelle Donat, vous avez la parole, Madame Donat. Est-ce que vous pouvez Allô? parler? Oui? Oui, c'est Monsieur Breton, excusez-moi, vous avez un problème de connexion. Oui, c'est souvent le cas, malheureusement. Bon, voilà, vous êtes avec nous, on vous écoute. Je suis un néophyte Ah! du télétravail, je suis désolé. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le maire. Je vous appelle en fait pour un problème qu'il y a à la place du Général Beuré, où nous sommes 11 familles avec 15 enfants et nous subissons des nuisances par rapport à un immeuble qui est en renfoncement par rapport aux autres. Juste avant le nouveau hôtel qui vient d'être fait il y a quelques années, le Eiffel. Je ne sais pas si vous voyez. Quel est le problème? Alors le problème, c'est qu'on a différents trafics qui se passent du fait de ce renfoncement de l'immeuble par rapport aux autres, du fait des bars adjacents, le Wallace et le Beurré, des personnes viennent uriner en bas de nos fenêtres et enfin, on a plein de problèmes comme ça, dont des dépôts sauvages d'ordures. Et on voulait savoir si ce n'était pas l'occasion, du fait de cette réunion, de végétaliser cet espace. C'est dans le petit passage, là? Exactement. Vous voyez en Oui. face du Nicolas.
Oui, je vois très bien. Donc, ça fait des années et des années que tous les habitants se battent pour essayer d'avoir un immeuble propre devant chez nous, mais apparemment, bah, ce trottoir appartient à la mairie et on nous a soit Toi, donné la l'appartient possibilité. à bien. Papa, à la voirie, c'est ça? Enfin, oui, c'est la voirie de Paris, oui. Oui, c'est ça, la voirie. Donc, on voudrait trouver une solution avec vous pour ne plus avoir à subir ces nuisances, parce que c'est des personnes qui fument des joints sur nos marches d'escalier qui permettent d'accéder à notre immeuble. C'est des personnes qui déposent, parce que c'est le seul immeuble qui est en renfoncement par rapport à la place du Général Beuret, où tous les gens viennent déposer leurs ordures. C'est un immeuble où tout le monde vient uriner une fois qu'ils ont bu un coup juste à côté, aux bars qui sont juste à côté de chez nous. C'est Des une place qui est affichettes aussi, vraiment. quoi. Il y a des affichettes aussi qui ont été posées, je crois. Exactement, qui ont été enlevés avant-hier par Parce que justement la j'en ai fait la demande, je suis passé devant et donc j'ai vu ces affichettes un peu séditieuses d'ailleurs, et donc qui étaient sur les murs et j'ai demandé leur enlèvement, oui. Oui, bah c'est gentil à vous, mais ce n'est pas les premières, comme vous avez pu le constater. On a eu plein d'affichettes. Mais moi, personnellement, ce n'est pas le plus embêtant. C'est vraiment les odeurs d'urine. Moi, par exemple, j'habite au premier étage. Je ne peux pas ouvrir mes fenêtres. Je tombe souvent, enfin, je vais dire la vérité, un petit peu moins depuis le confinement, sur des personnes qui urinent sur l'entrée du parking, des personnes qui fument leur joint. Enfin, ce n'est pas vivable. Est-ce qu'on ne pourrait pas sauter sur cette occasion pour faire un espace végétalisé mais fermé pour que on soit dans l'alignement des autres immeubles? Je sais que ça a été fait pour d'autres immeubles de la rue Blomet. Bon, ben écoutez, on va voir, hein, pourquoi pas. Enfin, ça fait partie des propositions, en tout cas, hein. Donc, je D'accord. pense que la voirie va étudier ça. C'est un Bon. micro-projet, mais ça fait partie effectivement de ce qu'on va obtenir. Oui, vous pensez que c'est un micro-projet par rapport à tout ce que j'ai entendu depuis le début? Mais pour moi, c'est vraiment la verrue de la place du Général Doré, ce renfoncement. Et comme vous le connaissez bien, vous voyez Absolument. parfaitement de quoi je veux parler. Vous pouvez donner le numéro exact, l'adresse exacte? Bien sûr, c'est le 76 rue Blomet. Cette place, comme vous le savez, est vraiment très agréable, avec sa fontaine, avec ses bars, avec son poissonnier, avec sa boucherie chevaline, avec les boulangeries. C'est vraiment un village, quoi. Mais cet endroit-là pose vraiment problème, car c'est vraiment le lieu où tout le monde vient faire n'importe quoi. Ok, merci, c'est noté. Y Merci, a-t-il monsieur le maire. d'autres interventions? Alors, je ne sais pas, j'ai récupéré mon micro, donc du coup, je suis Isabelle Denat. Je ne sais pas si je peux du coup prendre Oui, la parole. allez-y justement, on vous Merci. attendait, vous arrivez à point. Merci pour ce diagnostic. J'ai repéré qu'il y avait beaucoup de parking pour des deux roues. Enfin, je pense qu'on parlait là des deux roues motorisées. Et en fait, l'une des conséquences de diminuer la circulation automobile, l'une des mauvaises conséquences a été de renforcer terriblement la circulation des deux roues, très bruyant et polluant. Et notamment, il a été créé à la place de stationnement voiture dans des rues résidentielles comme la rue Gerbert, par exemple, des parkings pour les deux roues. Et du coup, on s'est récupéré plein de motos qui ne passaient pas par là d'habitude. Et le quartier est devenu beaucoup plus bruyant à cause de ces deux roues. Donc, je ne sais pas si dans les réflexions, on pourrait essayer de revoir la manière dont on organise le stationnement de ces deux roues, parce qu'en surface et non payant, ça devient une véritable nuisance et en plus, ça n'embellit pas le quartier, parce que là, c'est vraiment très laid. Oui, alors merci à une réflexion à la mairie de Paris sur le stationnement payant ou pas des deux roues motorisées, hein, qui est actuel, d'une part. Deuxièmement, ces emplacements sur voirie sont faits aussi pour que les deux roues motorisées ne soient pas toutes sur les trottoirs, quoi, hein, c'est ça aussi le sujet. Malheureusement, l'alternative, c'est souvent les deux roues motorisées sur les trottoirs. Madame Comtat veut peut-être s'exprimer là-dessus, responsable de la voirie du 15e. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, monsieur le maire. De toute façon, le stationnement sur trottoir n'est pas non plus souhaitable et même pire en tout cas que cette situation. Et malheureusement, à ce stade, je n'ai rien de plus à ajouter. Voilà, on n'a pas beaucoup de solutions, hein, par rapport à votre problématique. Mais bon, enfin, on va regarder ça aussi. Ça fait partie des choses qu'on doit vraiment, sur lesquelles on doit être vigilant, hein, le stationnement des deux roues motorisées.
qui gêne beaucoup d'habitants. Ouais. Après, s'il y a des zones en particulier, en effet, les motos stationnent, mais elles doivent stationner quelque part et en tout cas, en tous les cas, pas sur les trottoirs. S'il y a des zones où l'offre de stationnement est trop, de roues motorisées est trop réduite, c'est-à-dire où vous constatez qu'ils se garent sur trottoir plutôt que sur les zones prévues à cet effet, encore une fois, cette démarche quartier est l'occasion de nous le signaler. Mais voilà, à ce stade, il n'est pas prévu de le supprimer parce qu'il y a un besoin qui existe et c'est un moyen de le réguler, que d'offrir des places. Je crois que c'est ce que demandait Madame, la suppression du stationnement des deux roues motorisées, Gerbert. En fait, c'est de dire qu'on avait remplacé quelques places voitures qui ne bougeaient pas la nuit par beaucoup plus de places, puisque ça prend moins d'espace, de motos qui, elles, bougent beaucoup plus très tard et avec un trafic plus soutenu la nuit. Et un Oui. deux-roues qui démarre en pleine nuit, ça réveille beaucoup de gens dans le quartier. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs, sans parler des nuisances sur le parvis de l'église, mais je crois que ce n'est pas l'objet de ce soir. C'est clair. D'autres interventions? D'autres problèmes? Monsieur de l'Église? Monsieur ou Madame de l'Église, justement. Est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro? Non? De l'église, non? Allez-y, je crois que vous avez ouvert votre micro. On a failli vous entendre. Monsieur de l'église? Non, c'est recoupé. Bon, quelqu'un d'autre? Monsieur Yves Lejean? Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, allez-y. Juste un mot, effectivement. Merci pour la présentation qui est vraiment très intéressante. Là, on voit bien la hiérarchisation là, des axes pour essayer de prévoir des aménagements cyclables sur les axes qui conserveront du transit et d'apaiser les autres. Je pense qu'il bénéficiera aux cyclistes en même temps qu'à tous les gens qui circulent vraiment de façon beaucoup plus locale. Je voulais juste attirer peut-être une question au sujet des zones 30 et des doubles sens cyclables. Il y avait traditionnellement une association entre les deux pour leur mise en place. Ce serait intéressant de voir comment ça va se décliner dans le cadre de ce projet-là, de façon plus générale, avec le passage potentiel à 30 de plus de voies indépendamment des zones 30, pour vérifier qu'on peut bien avoir un planning de mise en place de ces doubles sens cyclables, y compris en dehors de la mise en place formelle des zones 30. Parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de zones, à part autour de commerce, qui ne bénéficient pas encore aujourd'hui de ce marquage officiel qui autorise les cyclistes à prendre les rues à contresens. Oui, merci Monsieur Lejean. Donc je précise qu'il est président de la très puissante association Paris-Ancel. Référent local, on a eu l'occasion de discuter avec Monsieur le maire et ses adjoints la semaine dernière, ce qui a été très utile et je les en remercie. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi comment ça se décline dans cette démarche. Comité vélo. Madame Conta. Oui, vous avez tout à fait raison de le soulever. Et indépendamment, le passage futur de tout Paris, alors sauf certaines rues. Mais le passage prochain de Paris à 30 km/h, nous, c'est un travail qu'on avait déjà démarré en fait dans les dernières années, qu'on n'a pas déployé sur tout le 15e arrondissement, mais c'était de toute façon prévu. C'est en fait, dès qu'on fait une zone 30, on a l'obligation d'y ajouter des doubles sens cyclables lorsque la largeur de la voie le permet. Donc il y a quelques voies, mais qui sont des exceptions, qui sont trop étroites et où on n'a pas la place de le faire, mais c'est vraiment des exceptions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on passe une zone à 30 km/h, que ce soit dans le cadre d'une zone 30 ou de tout Paris demain, on a l'obligation réglementaire de créer ces doubles sens cyclables. La démarche quartier, la démarche embellir votre quartier dont on parle ce soir est bien l'occasion pour nous de le mettre en place dans tout le périmètre concerné. Donc si on peut donner un planning de déploiement, en fait, il faut se dire que là, d'ici mi-2022, on aura créé sur le périmètre dont on parle aujourd'hui les doubles sens cyclables sur tout le périmètre et que les autres quartiers qui ne sont pas encore traités,
dans le 15e arrondissement le seront les années suivantes lorsqu'on traitera les quartiers suivants. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Monsieur Lejean, vous voulez... Oui, non, merci. Puis de fait, c'est quand même une des zones du 15e qui était un peu le parent pauvre parce qu'il y avait moins de zones 30. Donc, tant mieux quoi, si on commence par là, ça permettra de rattraper là où ils font le plus défaut. Merci. Tout à fait. Et pour ne rien vous cacher, dans nos discussions en amont avec la mairie, ce n'était pas évidemment le seul argument, mais nous, services techniques, avons aussi beaucoup milité pour que ce quartier soit inscrit en premier, notamment pour cette raison. Donc, c'est bien prévu. Super. Merci beaucoup. Exactement. D'autres interventions ? Monsieur ou Madame Romera, la parole. Je rétablis. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, absolument. Oui. Bonjour, monsieur le maire. Je suis, j'appartiens à l'association Blomé Paradiso. Donc, je suis très satisfaite des éléments que vous nous avez apportés. Néanmoins, il me semble que le diagnostic serait peut-être à approfondir. Donc, je suis bien consciente des délais de la démarche et de la nécessité d'aller assez vite. Mais cependant, il me semble que le diagnostic, et c'est normal, puisque c'était le service de la voirie qui nous l'a présenté, a beaucoup parlé de déplacement, d'accessibilité, en essayant de focaliser sur certains axes. Je serais preneur d'élargir ce diagnostic, notamment il y a une partie de l'ensemble urbain dont on parle qui est riverain de la Seine. On en a très peu parlé dans le diagnostic et ça me semble assez important. D'autre part, on a peu parlé de la qualité de l'espace public. Et donc, il me semble que les marches exploratoires prennent toute leur importance pour ça. Voilà. L'association Blomé Paradiso est porteur de propositions en général, et on avait demandé effectivement une réflexion sur la rue Blomé, enfin une portion de la rue Blomé transformée en rue aux écoles. Donc, on est tout à fait preneur de cette démarche. Voilà. Je vous remercie. Pour la rue aux écoles, c'est vrai que nous avions également relayé cette proposition hein, de votre association qui fait un gros travail de réflexion sur l'embellissement avant l'heure, puisque c'était avant embellir notre quartier, de Blomé, mairie du 15e, etc. Et c'est vrai que nous réitérons cette proposition qui, pour le moment, n'a pas été agréée encore hein, par la mairie de Paris, qui est au moins déjà... pendant les horaires scolaires, mais peut-être pas seulement, de neutraliser la rue, au moins de la rue Le Courbe jusqu'à la rue Gévrey, puisqu'on a là une concentration aussi d'élèves déjà considérable, et puis aussi évidemment pour le bien-être des habitants. Donc voilà, c'est une proposition qui est toujours dans les tiroirs de la mairie centrale, oui, voilà, notamment. Madame Conta, un mot là-dessus ou autre, ou sur proposition de madame ? Je vais brancher votre micro. J'avais le sentiment que Jacques Baudrier souhaitait répondre. D'accord. Sur sa question, il est. Bon. Sur... Je ne vois pas, mais s'il veut répondre. Peut-être. Okay. Alors. Allez-y. Ouais, je vais dire un mot. Bah justement, typiquement, cet aménagement là que propose madame, qui est, dont monsieur le maire vient de surenchérir très fortement, c'est typiquement ce type d'aménagement qui s'inscrit complètement dans le sens de sa démarche. Donc, une rue aux écoles, dans un secteur très dense, avec beaucoup de monde, beaucoup d'élèves. Typiquement, si la plupart des participants est d'accord et le maire de l'arrondissement, c'est ce type de projet qu'on pourrait étudier en priorité. C'est pas des projets d'ailleurs extrêmement coûteux, mais ça, typiquement, quelque chose de très utile, très consensuel, porté de longue date, y compris par la mairie d'arrondissement. Ça fait partie des aménagements qu'on pourrait choisir de prioriser dès ce soir pour qu'ils soient étudiés techniquement par les services techniques sans, voilà, pour qu'on ait rapidement, voilà, c'est très bien qu'on ait d'un, deux ou trois projets qui fassent consensus, qui nous permettent d'avancer dans le concret
Et les rues écoles, c'est typiquement ce qui s'inscrit parfaitement dans la démarche. Donc moi, je suis très favorable à ce qu'on s'engage au plus vite, comme c'est soutenu par Philippe Pujon, pour étudier votre proposition. Monsieur, c'est qui, Monsieur Pinet, non? Monsieur Pinet, non? Un mot là-dessus? Voilà, le micro est ouvert. Oui, c'était juste, en fait, le souci là pour bien répondre sur la rue aux écoles, sur la rue Blomet, puisque les deux propositions de la ville de Paris, c'est la fermeture totale et définitive de la rue ou la mise en rue piétonne par un simple panneau, et on voit sur la rue Gutenberg que ça marche mal et on va revoir certains aménagements. La proposition de la mairie du 15e était de pouvoir opter et de réfléchir sur une fermeture temporaire au moment d'entrée et de sortie, au moyen de barrières amovibles comme il en existe dans d'autres communes. Donc effectivement, si avec la mairie centrale on trouve un accord et on trouve les moyens techniques de le faire, c'est quelque chose qui sera lancé, mais pour le moment c'est encore au stade de la réflexion, puisque pour le moment des informations que j'ai, en tout cas des équipes de M. Béliard, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le bon moyen de pouvoir faire cette fermeture au moment des entrées et sorties, et non pas de manière définitive sur l'intégralité de cette portion de la rue Blomet. Madame Isabelle Roy avait demandé la parole. Et élu du 15e conseiller d'arrondissement. Vous nous entendez, Madame Roy? Oui, bonsoir. Merci, Monsieur le maire. Donc, Isabelle Roy, je suis conseillère du 15e arrondissement. Merci pour cette réunion et la présentation très documentée sur le 15e arrondissement. J'avais une petite question, j'anticipe un petit peu, parce qu'il y aura une réunion du conseil de quartier Saint-Lambert le 17 mars. Mais je n'ai pas vu dans vos un peu lieux singuliers, je crois que c'est ça que vous avez qualifié ces lieux, la place de la Convention. Alors, je pense qu'elle doit être dans le quartier, normalement, parce qu'elle est quartier Saint-Lambert. Or, il y aurait quand même, je pense, un objectif de végétalisation de cette place de la Convention, enfin Convention, pardon, Geneviève Antonios de Gaulle, il faut l'appeler par son vrai nom maintenant. Et il y a un projet d'ailleurs déposé par le conseil de quartier au budget participatif. Donc, j'imagine que quelque part, à un moment donné, ça va se fusionner, en tout cas se coordonner avec cette démarche. Et donc, je voulais savoir, on va poser ma question sur la place, du coup, Geneviève de Gaulle, si vous l'avez un petit peu identifiée dans vos diagnostics et vos projets en termes notamment de végétalisation. Merci. En tout cas, Madame Roy, je vous rejoins totalement là-dessus. Ça fait des années, d'ailleurs, qu'à la fois les habitants, puis le conseil de quartier demande un aménagement tout à fait légitimement de cette place, qui est vraiment à cœur du 15e, et surtout depuis qu'il y a eu un certain nombre de rénovations, notamment le cinéma, etc. Et la place n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait en attendre, hein, au niveau de son esthétique, de son fonctionnement et de sa végétalisation. Donc moi, je suis très, très partisan, hein, de ce que vous proposez. Est-ce que Madame Conta a un mot à dire là-dessus ou Monsieur Béroir? Oui, on peut. En effet, c'est dans le périmètre, c'est sur la rue de la Convention qui est à la limite entre le conseil de quartier Convention et son voisin. Mais on peut. Oui, elle présente un potentiel de végétalisation qui apparaît peut-être pas clairement sur nos documents. Il y a beaucoup de choses en sous-sol et donc ça va probablement nous empêcher de faire des plantations profondes ou des arbres, mais c'est sûr que c'est un endroit où on peut aller plus loin en termes de débitumisation et puis de végétalisation avec des strates relativement basses, mais oui, ça fait partie des choses qu'on peut noter. Oui, il y a des édicules qui sont superflus, il y a des panneaux de signalisation enlevés, oui. Il y a des marches qui sont parfois pas très utiles. Enfin bref, oui, il y a un gros travail à faire et ça donne plus sur la rue Alain Chartier, qui est une rue qui amène sur une piétonisation du reste du secteur. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut prioriser aussi, oui, et qui est demandé depuis longtemps aussi d'ailleurs. Bien noté. Qui souhaite prendre la parole? Philippe Stélandre a la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Cher président de conseil de quartier. Alors, je ne suis que l'ex-président du conseil de quartier. Je vais simplement revenir et mettre un petit peu les pieds dans le plat. Monsieur le maire, vous êtes au courant de la démarche que j'avais entreprise il y a quelques années. Monsieur Luineau aussi.
En fait, au budget participatif, le conseil de quartier avait déposé plusieurs projets qui ont été fusionnés avec d'autres, qui ont été votés, budgétés, enfin, tout a été fait. Ça a été fait en 2016 et les projets n'ont jamais été réalisés, le budget a disparu et nous avons vu fleurir gentiment à la place de ce que nous avions demandé, cette végétalisation, création d'une fontaine Wallace, installation d'arbres, des bacs de végétalisation rue de la Croix-Nivert devant l'ancien théâtre. Nous avons vu fleurir des beaux panneaux publicitaires Clear Channel, donc on est très contents. En fait, on fait des propositions qui servent à financer d'autres la ville, on va dire. La deuxième chose que je voudrais quand même signaler, c'est qu'on avait fait pas mal de propositions avec Madame Giovannucci sur justement des aménagements pour faciliter la vie de tout le monde. Enfin, pas mal de projets et n'ont jamais été réalisés en fait. On avait fait des démarches exploratoires avec des personnes de la voirie, et aucune proposition qui avait été faite n'a été réalisée. Est-ce que ces projets vont pouvoir être repris ? Moi, je suis entièrement à votre disposition pour qu'on puisse en reparler. La nouvelle présidente du conseil de quartier va certainement prendre les choses à bras-le-corps. Il faut nous préciser très exactement les projets, parce que pour certains, je me souviens des discussions que nous avions eues, selon lesquelles, d'ailleurs, la voirie évoquait l'infaisabilité technique. Hein. C'était ça la raison qui était invoquée. Excusez-moi, monsieur le maire, infaisabilité technique. Il disait qu'il y avait du câblage dans le sol. OK. Les panneaux publicitaires qu'ils ont installés, ils ont été obligés d'amener l'électricité aux endroits. Donc, ils ont fait une tranchée sur toute la longueur de la place pour amener l'électricité à l'endroit où on devait planter les arbres. Infaisabilité technique, je mets ça un petit peu en doute. Mais si vous vous rappelez bien, j'étais allé voir directement Madame Hidalgo pour le projet. Alors, est-ce que Madame Conta veut parler de ça ou alors on va peut-être le soumettre à examen, tout ça? On le renote et on pourra... par contre, il faut bien nous dire exactement quels projets sont concernés et puis on pourra le réétudier si c'est quelque chose qu'on a déjà étudié. Sur le chat, Philippe, il faut l'écrire sur ou envoie un mail ou sur le Snapchat. Je t'entends pas, on t'entend pas. Ah oui, d'accord. Voilà. Le son était coupé, oui. Il n'y a pas de problème, je ferai un petit mail, je vous enverrai ça. Est-ce que Valérie Giovannucci, l'adjointe de quartier ou la présidente, souhaite s'exprimer? On a ou on n'a pas? Valérie Giovannucci, est avec nous? Ah bon? Oui, on entend. On entend qui là? Ah non, c'est pas. Valérie Giovannucci, un mot ou pas? Ou la présidente de quartier? Oui, en fait, je pense que M. Célandre a tout dit sur le budget participatif qui avait été voté en 2016. Donc, si on peut avancer et revoir le projet, ce serait parfait. Rien d'autre à ajouter. Il faudrait préciser exactement le projet et nous l'envoyer. Oui. Je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Si. Y a-t-il d'autres demandes? Oui. Comment? Gérondeau. Monsieur Gérondeau, vous avez la parole. Gérondeau. Oui, Madame Gérondeau, merci beaucoup, Madame. Monsieur le maire. Je vous en prie, merci à tous aux élus de la mairie centrale pour cette présentation. Je suis résidence de la place du commerce et la place du commerce est souvent mentionnée dans le diagnostic qui est déjà en fait en ligne sur votre site. Donc, la mise à jour a été très rapide et la place du commerce est mentionnée dans divers projets, que ce soit des projets rue apaisée ou le projet rue aux écoles.
Alors, sur l'ensemble de ces sujets, nos élus de la mairie du 15e ont été depuis déjà plusieurs semaines, en fait, très disponibles pour échanger avec nous sur les préoccupations qui sont plus larges et assez complexes des riverains de la place du commerce. Je dois dire que, par exemple, sur le projet de la rue aux écoles, il y a sûrement une mauvaise compréhension, puisque je vois dans votre projet, ça a été déjà évoqué, que le collège de Bussy était mentionné dans le projet Rue aux écoles. C'est clairement, pour tous ceux qui connaissent le lieu, un endroit où les collégiens peuvent arriver et accéder dans un environnement très sécurisé avec un trottoir particulièrement large, avec très peu de circulation, enfin, en tout cas une circulation automobile réduite. Et finalement, ainsi que le mentionnait M. Baudrier, les projets Rue aux écoles semblaient plutôt pouvoir être destinés à des secteurs beaucoup plus denses en termes de circulation et de risques pour les collégiens. Donc, nos échanges que nous avons eus déjà avec la mairie du 15e traitaient plutôt en fait des préoccupations liées à la sécurité, à l'insécurité plus précisément de la place du commerce. Alors, je sais que ce n'est pas le sujet direct de cette réunion, mais pour éviter de réfléchir en silo, je pense que c'est utile de le mentionner. Sachant que dans votre présentation, page 43, il est précisé que ces projets doivent éviter la formation de ce qui est désigné comme une zone de tension qui créerait des sentiments d'insécurité. Et là, je crois qu'on peut dire qu'on est place du commerce déjà dans une zone de tension avec un réel sentiment d'insécurité. Donc, on reçoit avec intérêt des projets, même si on comprend moins l'opportunité de... ou même voire pas du tout l'opportunité d'un projet aux écoles, place du commerce, les projets de piétonnisation ou d'apaisement, mais surtout, comme le disait Madame Romero, sûrement d'enjeux sur la qualité de l'espace public, puisqu'on a des vraies inquiétudes sur des conséquences qui seraient non anticipées de ces projets, sur l'insécurité qui est déjà très importante, place du commerce. Donc, nos demandes, nous, avaient porté déjà depuis bientôt près de 2 ans, et monsieur le maire en est très informé, plutôt sur l'installation de caméras de vidéosurveillance et notamment sur la gestion de l'accès qui est fait jour et nuit dans l'intérieur du square du commerce d'une bande de plus en plus importante d'individus qui se livrent à différents trafics, dont du trafic de drogue, qui occupent l'espace de la place du commerce et du jardin du commerce, qui fait que le matin, les services de la mairie de Paris nettoient des immondices de façon très récurrente. Je sais que monsieur, je ne sais pas si monsieur Béroir est toujours là, sur la végétalisation, c'est vrai qu'on avait à un moment évoqué la possibilité de modifier la végétalisation autour de la place du commerce pour en modifier les accès ou les rendre plus difficiles, sachant qu'à l'origine, notre demande était simplement un rehaussement des grilles pour conserver en fait à cette place une qualité de vie que pour l'instant, elle est en train de perdre. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu longue, mais je souhaitais pouvoir vous communiquer cette réaction. Vous avez exprimé à peu près toutes les demandes qu'on a fait à la mairie de Paris, d'ailleurs, et c'est bien de les avoir redites. On a effectivement ce problème plutôt place du commerce côté rue Violet, notamment en face du collège de Bussy, c'est vrai, où pas mal de jeunes profitent des arceaux, d'ailleurs, qui existent ou des bandes pour les vélos et autres, pour s'installer, s'asseoir et puis... voilà, se livrer à un certain nombre de choses. Donc, on a ce sujet au niveau aussi des petits trafics. On a la possibilité peut-être… je vois que monsieur Jean-Yves Pinet et Valérie Jovanucci ont co-présidé, ou en tout cas co-animé récemment, une réunion avec les riverains et dont vous-même, sans doute. Peut-être que monsieur Pinet va pouvoir approfondir. Oui, juste pour dire que effectivement un certain nombre de plans n'ont pas été refaits après les différentes réunions et que l'ensemble des avis des habitants, en tout cas lors de ces réunions, ont été pris en compte. J'ai eu une discussion avec les services de voirie et effectivement, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas refait tout leur PowerPoint, ils ont déjà fait, c'est un travail énorme. Et donc effectivement, naturellement, quand on repasse les slides, on parle de tous les sujets, y compris de la place du commerce, mais ça a fait l'objet effectivement de réunions particulières entre nous et la voirie. Les arceaux vélos ont d'ailleurs été enlevés dernièrement. Voilà, donc ça c'est une bonne chose, mais malheureusement, vous voyez, il y a des conflits d'usage sur tout ça. Il y a un projet d'ailleurs d'un petit manège électrique dans le square du commerce, côté rue du commerce, hein, plutôt, de l'autre côté, hein, qui est en cours d'examen d'ailleurs. Monsieur Béroir veut peut-être nous... parler du rehaussement des grilles qui avait été demandé, effectivement, parce qu'il y a une bande. Et en plus, cette place du commerce fait caisse de résonance. Et c'est vrai que quand il y a du bruit
dans le jardin la nuit, ça gêne beaucoup d'habitants qui nous le font savoir. Hein. Ouais, alors effectivement, on a étudié la rehausse des grilles qui est assez onéreuse. Donc, alors je ne sais plus trop par quel biais ça m'était arrivé, mais en tout cas, j'ai répondu par ce biais. Donc, je ne sais pas où ça en est, mais je pourrais vous renvoyer, si vous voulez, monsieur le maire, le chiffrage pour que vous ayez une idée du coup que ça représente et du coup de l'investissement que ça représente derrière. C'est vrai que c'est un budget conséquent qui pourrait peut-être nous être épargné si on ajoutait des caméras de vidéoprotection, mais qui relève là aussi d'une décision conjointe du préfet de police et de la maire de Paris. Donc voilà, il faut qu'on s'oriente aussi dans cette direction puisqu'on l'a demandé. Il y a un nombre de caméras dans le secteur, hein, mais peut-être en ajouter davantage. Et aussi compter sur la future police municipale, hein, dont ce sera vraiment le rôle que de patrouiller dans les espaces et lieux publics municipaux, au premier rang desquels les jardins et particulièrement la nuit, quoi, parce qu'on a beaucoup de problèmes de sécurité tels que vous l'avez indiqué dans beaucoup de jardins du 15e la nuit. Hein. Qui veut prendre la parole ? Sylvie Dubois, vous êtes avec nous, mais je crois qu'on ne voit pas de micro sur notre... Vous n'avez pas de micro sur votre ordinateur, donc c'est compliqué. Alors, posez votre question par le chat. Je m'adresse à Sylvie Dubois, hein, qui n'a pas de micro, visiblement, donc il pourrait poser sa question. Je vous vois, Sylvie Dubois, je vous vois à l'écran. Vous êtes deux, d'ailleurs. Vous êtes toutes les deux, mais vous n'avez pas de micro, c'est ça? Vous n'arrivez pas à vous connecter? Parlez en signe. Bon, écrivez-nous par sur le chat. Dommage. Alors, personne suivante, en attendant. VB. La parole est à VB. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, VB. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Je voulais intervenir sur un sujet un peu plus général, qui est la question du paysage et de la végétalisation, des arbres, etc. Et je note et je me félicite que vous sembliez très intéressé par le sujet. Vous avez sur les documents de diagnostic et les documents de réflexion et les choses que vous envisagez, on voit bien sûr l'espace public, les rues plantées, les jardins, etc. Mais il me semble, et j'avais une première question, c'est que la végétation, elle est à prendre en compte dans son entièreté parce qu'il s'agit d'une trame verte. Que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait une couverture végétale et une trame qui soit le plus continue possible et que les jardins privés, les jardins des résidences, etc., comptent énormément. Or, souvent, on y fait un peu n'importe quoi. Alors, je sais que ce n'est pas du ressort de la mairie, mais est-ce qu'il y a quand même une communication qui est prévue auprès des copropriétés, auprès des privés, etc., pour une meilleure prise en compte de la végétalisation et des arbres. Je suis dans la résidence Saint-Lambert, devant la mairie, vous voyez, rue Lecourbe, dans laquelle il y a des travaux actuellement. On est en train de faire n'importe quoi avec les arbres qui sont existants, qui sont anciens, qui sont très beaux, notamment. Il n'y a pas de protection pendant les travaux. Je ne sais pas s'ils vont survivre. J'informe que, par exemple, je suis paysagiste, donc c'est un sujet que je connais un petit peu. Il y a des études récentes qui analysent le bénéfice écosystémique des arbres. Et un grand arbre équivaut à 5 climatiseurs qui fonctionneraient 20 heures par jour en termes d'apport de bénéfices en termes de rafraîchissement. Donc pour lutter contre les îlots de chaleur, évidemment, c'est la première chose.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que la mairie peut faire pour communiquer, pour une meilleure prise en compte des arbres et de la trame végétale sur l'ensemble de l'arrondissement, et pas seulement, parce que comme on l'a vu, il y a des normes sur le plan que vous avez montré où la végétation apparaît en vert, il y a des normes poches blanches, c'est-à-dire de discontinuité, puisqu'on on ne regarde pas ce qui est planté dans les résidences, et il y en a beaucoup. Or, sur cette énorme quantité de végétation qui va servir à rafraîchir les villes, la ville pendant le on, je ne sais pas si beaucoup de gens restent ici en été et sont restés au moment des canicules, mais ça devient un vrai problème. Et je pense que c'est un sujet, à mon sens, très important. Qu'est-ce qui peut être fait auprès des privés et des résidences pour la prise en compte ? Vous abordez un sujet majeur, et d'ailleurs, j'ai lu, je veux dire, avec beaucoup de passion, votre petit dossier, enfin votre courrier, tel que vous me l'avez envoyé là, il y a très peu de temps, je crois cette semaine ou la semaine dernière, avec des photos très précises, très bien documentées, des arbres de la résidence Saint-Lambert, sur lesquels des travaux de rénovation sont en cours. Nous avons eu d'ailleurs une réunion de concertation avec le bailleur social et avec les deux associations de locataires de la résidence la semaine dernière, je crois d'ailleurs. Nous avons évoqué ce problème des arbres. La plupart des arbres ne seront pas coupés déjà. Vous savez qu'il y avait deux projets possibles. Un projet qui coupait tous les arbres parce qu'il fallait dépolluer la terre, qui est polluée. Alors, puisque... Voilà. La dépollution, c'est un autre sujet aussi important. Ça. Non, mais, enfin, bon. Si, mais c'était lié puisque... C'était lié parce qu'il y avait une proposition qui consistait à couper tous les arbres pour dépolluer toute la terre. Or, nous avons refusé, et donc il y aura une dépollution différente, mais en maintenant le plus grand nombre possible d'arbres. Et dès que vous m'avez envoyé votre dossier, je l'ai transmis évidemment tout de suite au bailleur social pour que... il évite de faire souffrir ces arbres qui souffrent. Hein. Vraiment, j'avais l'impression dans votre description de personnes physiques qui souffraient en fonction de la façon dont ils étaient traités. Ils sont sous ma fenêtre. Mais merci de ça. Ils sont sous ma fenêtre. En effet, je vois. Je suis ravie que vous l'ayez lu parce que c'est l'entreprise, alors pour ne pas les citer, Eiffage, bon évidemment ils n'ont rien fait depuis, hein, ce courrier il date d'il y a 15 jours, c'est l'association de locataires qui vous l'a transmis, j'en suis ravie, mais voilà, Eiffage, etc., l'inertie, les sous-traitants évidemment qui interviennent dans la cour, alors dans un désordre et dans un... voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas de maîtrise sur ce chantier, mais bon, ça c'est un autre sujet, mais pour l'instant je vois toujours le très beau tilleul sous ma fenêtre souffrir, donc voilà. Mais donc ça c'est un sujet. Après j'ai eu ce courrier que c'est récent pour moi, même si vous l'avez envoyé à 15 jours à l'association de locataires, donc en tout cas il est maintenant entre les mains du bailleur social et qui va faire, j'imagine, les représentations nécessaires à FH pour... ce serait dommage d'avoir décidé de ne pas abattre ces arbres et que ils soient blessés ou qu'il meure en fonction des travaux qui sont en cours. Mais bon, alors, ça, c'est la première chose. De façon plus générale, bien sûr, notre volonté, c'est de multiplier les arbres d'alignement dans le maximum de rues du 15e, là où on pourra en faire, de faire des trames vertes, effectivement. On en a quelques-unes, d'ailleurs, dans le 15e. Hein. Je ne vais pas toutes les citer. Et d'aller le plus loin possible. Et les services de la mairie de Paris savent bien... notre volonté ici à la mairie du 15e de multiplier les plantations d'arbres qui sont une des solutions hein, quand même hein, pour la lutte contre le réchauffement climatique. Monsieur Béroir peut-être veut dire un mot sur les arbres. Je pense que lui aussi est un amoureux des arbres. J'espère. Il faut les multiplier et se battre pour garder ceux qui existent déjà parce qu'il ne faut pas faire croire aux gens qu'enlever un arbre existant depuis un certain temps, un arbre qui a 20 ans, qui a 25 ans, que si on le remplace par 10 petits arbres, on va mettre beaucoup de temps à avoir le même bénéfice écosystémique. Vous voyez, parce qu'il y a l'idée de dire on va remplacer, ne vous inquiétez pas. C'est pas, voilà, il y a Francis Allais qui a écrit tout ça. Un très beau texte là-dessus. Vous avez écrit tout ça noir sur blanc, je l'ai encore en mémoire, et nous avons aussi les services. Monsieur Béroir, peut-être maintenant, pour évoquer les arbres, les plantations de voirie autres, ou la voirie d'ailleurs. Pour le coup, effectivement, je suis un amoureux des arbres, mais les arbres
de voirie, c'est plutôt mes collègues du service de l'arbre et des bois qui pourraient répondre. Je sais que le sous-sol est extrêmement encombré. Là, c'est plutôt mes collègues de la voirie qui pourraient vous préciser un petit peu tout ça. Mais du coup, c'est ce qui complexifie bien souvent la mise en œuvre d'arbres d'alignement dans toutes les rues de Paris et du 15e en particulier. Ah. Très bien. Il n'y a pas que les arbres d'alignement, mais partout on peut en mettre. Partout, on évitera de mettre des climatiseurs. Bien sûr, on en plante également dans les jardins du 15e, qui pour le coup dépendent plus de ma juridiction. Mais après, le couvert végétal est relativement important dans les jardins du 15e, et donc du coup, on ne peut pas en rajouter non plus des quantités astronomiques. Madame Conta, peut-être un mot ? Ouais, nous, notre côté voirie, en tout cas, notre limite physique et technique est l'encombrement du sous-sol, comme ça a déjà été dit, mais c'est sur le domaine public Vierre, en tout cas, c'est nous les axes qu'on a. Après, maintenant, on sait faire autre chose. Alors certes, ce ne sont pas des grands arbres, donc le bénéfice écosystémique est moindre, mais on sait aussi faire des choses avec des strates plus basses qui nécessitent en fait moins de profondeur dans les plantations. Et ça se travaille entre, là vous mettez le doigt sur le travail conjoint qu'on va faire entre la direction de la voirie et la direction des espaces verts, tant dans son volet square que dans son volet arbre et bois qui gère plutôt la partie vierge en effet. Mais oui, encore une fois, c'est des choses et des suggestions qu'on va étudier là dans le cadre de cette démarche quartier. Merci. Alors, il reste 4 intervenants. Je vous demande d'être un peu rapide. Et en tout cas, parce qu'on avait prévu de finir vers 21h, c'est dans 10 minutes. Et après, ceux qui souhaitent poser des questions, bien sûr, le font sur la plateforme. Hein. Elle est à votre disposition. Donc là, maintenant, la parole est à... Ah oui, madame, monsieur, madame Besnier, de DLP 15. Vous êtes avec nous, je ne vous vois pas. Bonsoir Monsieur le maire, mais là j'interviens en tant qu'habitante du quartier. Présidente. Non, en tant qu'habitante du quartier Saint-Lambert, rien à voir avec l'association. Donc je voulais vous faire part de ma réflexion. Les modifications de gabarit ou d'emprise privilégiant un mode plutôt qu'un autre ont entraîné des trafics de report très perturbants dans l'arrondissement. Dans la phase de réflexion, y aura-t-il un temps et des financements complémentaires pour l'analyse ou la simulation des propositions? Enfin, on parle de voirie et de déplacement, mais le premier mode utilisé est la marche à pied. Or, il m'a semblé que les services techniques en ont très peu parlé, donc quid du plan piéton, quid de la qualité du domaine public et quid d'une commission piéton d'arrondissement comme il existe une commission vélo. Je vous remercie. Oui. Je vois des applaudissements sur certaines photos. Oui, bien sûr, c'est absolument essentiel, oui, bien sûr, la prise en compte des piétons. Madame Conta. Bien sûr, vous avez tout à fait raison et on aurait dû insister davantage. On a d'ailleurs parlé, à la fin de recalibrage de trottoirs, j'ai parlé de la rue de l'Abbé Grou, de la rue de la Croix-Niver, mais il y a en fait beaucoup d'autres endroits dans l'arrondissement où les trottoirs sont extrêmement peu larges. Encore une fois, on est preneur de vos suggestions et vos points durs. Nous, on a les nôtres et on est tout à fait preneur donc de traiter également ceux qui, de votre point de vue, sont les points les plus problématiques. Alors, on ne pourra pas, avec le budget qu'on a, refaire l'ensemble des trottoirs de tout l'arrondissement, mais néanmoins, s'il y a des axes prioritaires, bien évidemment, on est là aussi pour les traiter. Vous avez parlé ainsi qu'une autre intervenante tout à l'heure de qualité de l'espace public. On entend il y a des nuisances qui sont liées à des réflexions non faites, qui sont des sujets sur lesquels on travaille, mais le 15e, enfin Paris et le 15e en particulier sont des endroits extrêmement sollicités, donc on y travaille, mais il y en a toujours de nouveaux qui apparaissent, pareil, c'est des choses qu'il faut nous signaler, alors soit dans le cadre de cette concertation, pardon, soit avec l'application Dans ma rue que vous devez tous, j'imagine, connaître et qui nous permettent, nous, de recevoir ces signalements de désagréments ponctuels en direct. Et puis pour les demandes de réaménagement plus larges,
Vous pouvez évidemment, c'est un axe qu'on va travailler, et au-delà des deux rues et puis de ce qui figure dans le document complet, n'hésitez pas à nous les signaler. Oui, oui, et j'ajoute que l'idée d'un comité piéton est effectivement très pertinente, hein, donc on va regarder ça aussi. Encore quelques intervenants, deux intervenants. Françoise Labeille. Françoise ? Françoise Labaye, est-ce que vous arrivez à brancher votre micro? Je n'arrive pas. Ah si, si je crois, bon. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Oui, oui, d'accord. Bon, je voulais intervenir au sujet des végétalisations et tout ça, parce que j'ai fait du coup des propositions par Tinte. Parce que bon, il y a quelqu'un qui m'a répondu à propos des apporteurs de pollen allergène. Bon, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de bonnes odeurs et de couleurs dans Paris. Et ce serait bien quand même qu'on puisse un petit peu mettre plus de couleurs. Bon, il y a des problèmes d'allergène. Par exemple, les tilleuls, je ne sais pas, je ne suis pas jardinière. Je ne sais pas si de racines. Profonde, mais moi j'ai habité pendant 2 ans à Nancy, dans une grande rue, c'était une des rues principales, et il y avait des tilleuls à un endroit, et c'est tellement agréable au mois de juin de passer vers 7h, 8h du soir, de passer là où il y a des tilleuls, c'est vraiment, c'est apaisant, c'est important aussi que le Parisien puisse être heureux dans sa rue. Alors, il y a quand même des jardiniers de la ville de Paris. J'espère qu'on ne les a pas licenciés, parce que tout le monde va s'improviser les jardiniers, même pour fleurir des pieds d'arbres. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de mettre un peu plus de couleurs et d'odeurs dans Paris ? Bon, ben, on en pense le plus grand bien. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a un service de l'arbre qui est très important et très utile à la mairie de Paris, qui fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, ils ont édité, alors je ne sais pas si c'est public, nous on l'a, ils ont édité un ouvrage sur... tous les arbres qui sont plantés à Paris avec leurs caractéristiques, la façon dont ils sont entretenus, etc. J'ai moi-même d'ailleurs consulté l'Académie, si je peux dire en tout cas, un professeur de médecine spécialisé dans tout ce qui est allergie des végétaux et des arbres pour voir ce qu'on pouvait planter en ville comme arbre sans que ça crée des allergies, parce qu'il y a des allergies extrêmement graves aussi hein, sur certaines espèces. Donc là aussi, on a un panorama très complet de toutes les espèces d'arbres. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas un arbre qui est coupé à Paris sans qu'il y ait une autorisation. D'abord, une proposition technique du service de l'arbre. Il y a une fiche de santé, si je peux dire, pour chaque arbre parisien. Et il n'y a pas un arbre qui est coupé sans qu'il y ait une bonne raison et sans qu'il y ait d'ailleurs l'accord du maire d'arrondissement. Moi, je regarde ça très attentivement. Je reçois des listes d'arbres à couper parfois. Il faut les abattre pour telle ou telle raison de maladie ou parce qu'ils sont en train de s'effondrer. Mais vraiment, on le fait avec beaucoup d'attention, de vigilance, de parcimonie. Moi, je suis très hostile à ce qu'on coupe des arbres. Je suis très favorable à ce qu'on en plante le maximum. Il faut voir quelles espèces. Effectivement, il faut varier. Je crois que maintenant, grâce à ce service de l'arbre, on fait des choses très, très pertinentes en matière de plantation d'arbres. Je crois même que la ville elle-même révise maintenant... stratégie pour la plantation d'arbres. Souvent, c'est vrai, les demandes nous étaient refusées à cause de câblage, de canalisation souterraine, etc. Le sous-sol de Paris étant très, très occupé. Mais là, je crois qu'il y a une certaine souplesse qui a été demandée à la mairie de Paris et qui va être mise en œuvre et qui va nous permettre peut-être d'arborer un certain nombre de rues qui ne l'étaient pas, comme par exemple, on a arboré récemment la rue Frémicourt, quand le parking... le souterrain a été construit et qu'on a pu y faire planter 13 arbres, alors que c'était une rue totalement minérale.
Comme j'ai fait planter sur le parvis de la mairie, 4 arbres, partout on a pu en planter parce qu'il y a un parking en dessous, vous voyez. Donc chaque opportunité est saisie. Et je vous demande d'ailleurs, partout où vous verrez la possibilité de planter des arbres, de nous le faire savoir. Hein. Nous, on est très, très partant là-dessus. Hein. Est-ce que M. Béroir veut parler des arbres, même s'il ne s'occupe pas des arbres de voie publique? Ou M. Baudrier? Oui, Fabien Béroir, à nous. Bon, pour le tilleul, ça fait partie des espèces qui sont effectivement hyper allergisantes ou allergènes, je ne sais pas quel est le terme exact, mais en tout cas, du coup, ce n'est pas forcément l'essence qui est privilégiée en ville. Après, comme on l'a dit tout au long de la présentation, il y a une volonté forte de planter de plus en plus d'arbres, que ce soit sur l'espace public ou sur la voirie. Donc voilà, comme vous l'avez rappelé, signalez-nous tous les endroits où vous imaginez des arbres. Et après, la coordination entre les services de la voirie et les services des espaces verts permettront de valider ou non la faisabilité du projet. D'ailleurs, nous aurons la chance d'avoir une forêt urbaine dans le 15e de 2500 arbres sur le secteur Montparnasse. Hein. 2500 arbres qui seront plantés, je ne sais plus si c'est le chiffre exact, entre la rue de Rennes et la gare Montparnasse, hein, puisque tout ce secteur va être reconstruit totalement. Quoi. Dernière question. Alain Sauvage. Ça marche le son là? On vous entend. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Juste un petit souci de procédure. Comment est-ce que ça va se passer à la fin lorsque toutes les idées ont été mises? Il va falloir faire un choix. Est-ce qu'il y aura un vote? Qui va faire ce vote? Comment les décisions vont être prises? Inclusive, puisque ça va permettre à Jacques Baudrier de répondre et de conclure cette réunion, du coup, qui a été très, très productive et sur lesquelles vous pouvez encore continuer à agir hein, par le chat et par la plateforme. Jacques, comme ça, ça te permet de conclure en même temps. Oui, merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci de votre question et merci d'abord à tous les participantes et tous les participants à cette réunion. Ça a été très riche. Hein, comme le quartier est grand, il y a plein d'opportunités, de sites du quartier qui ont été évoqués, et c'est très bien. Alors, vous posez une bonne question. Le but est, dans cette première phase, bien sûr, de faire émerger un certain nombre de propositions. Déjà, et ensuite, évidemment, on voit là quand même qu'à chaque fois, les choses qui sont portées, on revient souvent d'ailleurs sur des sites où il y a eu des propositions dans le cadre du diagnostic, hein, où il y a les choses, on voit les services de la voirie n'étaient pas étrangers à la réalité du terrain tel que vous le portiez. Il y a un certain nombre de propositions qui vont émerger. Après, il y a besoin d'avoir des études techniques, bien sûr, de chiffrage financier. Il s'agit d'aménager parfois aussi au moindre coût. Il faut savoir que le fait qu'on puisse faire les travaux en même temps, parfois des concessionnaires, permet de limiter les coûts aussi, parce que ça nous permet d'économiser l'argent qui mettrait pour réaménager la voirie. Donc ensuite, on va faire un peu la somme de tout ce qui a été proposé, tout ce qui est possible techniquement. Bien sûr, il y a, comme vous avez dit, les gens de la DEV là, et de la DVD, là où on peut planter, il faut des analyses techniques selon vos propositions. On va avoir un peu une carte des possibles. Évidemment, ça excédera, parce que c'est toujours le cas, les budgets qui sont dits. Et après, il y a des sujets de priorisation qui doivent être faits. Donc, le but, c'est vraiment de prioriser les aménagements qui sont le plus consensuels, le plus fortement portés. Là, j'entendais, alors c'est plutôt les rues aux écoles, s'il y a quelque chose qui peut être fait, rue Blomet, c'était très porté. La place Geneviève Antonioz de Gaulle, on voit bien que c'est porté. La place du commerce, s'il y a quelque chose qui peut être fait, ça avait été identifié par le diagnostic, c'est revenu dans plusieurs interventions. Ça, ce type de projet risque d'être assez consensuel. Et puis ensuite, le but est qu'on est dans le cadre d'une démocratie participative. Le but est de répartir un peu les investissements dans l'ensemble des quartiers, de prioriser qu'il y ait d'autres réunions de ce type où on puisse être dans l'échange et dans des critères de priorisation. D'expérience pour avoir mené ce type de concertation,
c'est souvent vraiment, il y a des consensus assez simples qui se font autour des projets qui permettent de plus valoriser les commerces, la vie de quartier et l'accessibilité. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, voilà, les sujets, l'accessibilité pour les personnes handicapées, tout ce qui est des rues écoles, les abords des écoles pour protéger les familles, les enfants et leurs parents pour accéder aux écoles et aux établissements sport scolaires. C'est souvent les consensus se font assez naturellement autour des sites qui sont le plus fréquentés par le plus de monde et qui sont le plus utiles ou les aménagements qui sont le plus utiles aux personnes les plus faibles et plus en difficulté, les personnes à mobilité réduite. Donc voilà, ça, c'est des critères de choix qui sont assez objectifs et qui permettent de ne pas opposer deux rues ou des quartiers. Mais voilà, mais bien sûr, il y a un travail de priorisation et pour l'instant, nous sommes dans la phase, disons, du recueil de tous les possibles. Et après, nous serons dans la phase plus difficile, celle des choix. Mais il faut quand même rappeler que les budgets qui vont être consacrés à ces aménagements sont quand même assez conséquents et nous permettent de faire un certain nombre d'aménagements et de façon plus ambitieuse que s'il n'y avait pas cette démarche. Donc, de toute façon, nous serons quand même dans le but, c'est vraiment embellir votre quartier, donc de réaliser des choses assez conséquentes. Voilà, j'espère, je n'ai pas répondu à l'ensemble de vos questions. Évidemment, si on fait de la démocratie participative, le but est qu'on puisse échanger. Et puis après, il y a, comme l'exprimait Anouche Toragnan, la possibilité de faire sur tel ou tel aménagement qu'on puisse voter entre une solution A, une solution B, une solution A, une solution B, une solution C, sous la forme de préférendum. Voilà. Mais le but, en tout cas, c'est qu'on essaye, pour quels aménagements on sélectionne, d'avoir une démarche qui soit la plus collaborative possible et qui fonctionne pour le plus sur le fond de la base de démarche de consensus et sur des critères les plus objectifs possibles. Voilà, merci à tous, élus, habitants, conseillers de quartier et fonctionnaires aussi. Merci tout le monde pour votre participation très efficace. Et le début d'un long processus, mais qui va nous amener finalement à ce que nous souhaitons tous, l'embellissement de votre quartier. Bonne soirée. Merci à tous.